Sinon, t'as passé une bonne journée? Très bonne journée, putain. Il y a Anil qui m'a relooké là, il m'a filé des petits. Ah oui, j'ai vu, mais faut que je mate la Ouais, rediff. ouais, ouais. Moi, j'aime trop les trucs de fringues. Le Je suis trop feu. passionné par ça. Mec, le feu. Trop bien. Genre, Tu vraiment. penses quoi des Stan Smith Mickey du coup? Pas ouf. Aïe, aïe, aïe. Je sentais sur ton visage que bon. Non, T'étais non, pas. là. Ouais, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Mais. Aïe, aïe, aïe. Non, mais parce qu'en fait, on s'interroge sur la paire, on se dit, mais tiens, mais c'est des Stan, mais. Ouais, c'est. Mais bon, c'est vrai que le petit Mickey, bon, c'est Où est le pas. mic, quoi? Où est le mic? Voilà ce que je demande. Exact. Est-ce que tu. J'ai pas encore le doc, les gens, faut que Neil me le file. Juste, je t'ai invité aussi, Xav, en squad stream. Parce que là, les mecs, on part pour un marathon. Hein. Ah C'est bah la Ligue 2 là, là. c'est deux France, deux Europe, deux mondes. Je peux te dire que là. C'est la Ouais, Ligue bah, de 2. toute Hein. façon, moi, pour l'instant, j'ai 1-0 contre étoile, donc il n'y a pas de. Bah ouais. Putain, c'est fou ça. C'est impossible de gagner. Il me baisait vraiment, hein, de genre 1000 points, et puis après, il a mis Mexique alors que c'était en Argentine. Bon, ouais. Et là, tout de suite, c'était terminé, quoi, pour lui. Tu crées étoile S? Ouais, je crée, je vais vous Non, en vrai, inviter. je suis explosé. Hein. Enfin, Mais comment j'ai t'as vraiment plus perdu rien. Go étoile alors contre. Mais je Non, te mais en dis, fait, je. il a mis Mexique alors que En fait, c'était en Uruguay, donc. je lui expliquais les points. Tu sais, genre, on a fait des trucs où j'expliquais et après j'ai troll. C'était Ah, en ok. Uruguay et j'ai appuyé sur Mexique. Mais là, il m'a juste massacré en fait. Ah, c'est vrai que je te massacre, ouais. Du coup, là, c'est impossible pour moi de C'est. gagner ce soir. Ah, mais si, mais si. Bah, Bon, toi, par tu contre, m'avais j'ai fumé, vraiment, ouais. je viens de mettre vraiment 15 Non, minutes à trouver une en ville. vrai, j'ai vraiment progressé. J'ai progressé là, je pense que je peux J'espère bien, devenir. gros. J'ai l'impression que tu joues qu'à ça, frère. Là, Chaque fois t'as que je te beaucoup vois. stream ça. C'est vrai que je t'ai pas mal vu, Ah étoile. oui, J'ai ah l'impression clairement. Ah que. oui. J'aime trop ça. En fait, en gros, vu que c'est mon gros problème dans Question pour un champion, bah j'ai voulu grave me concentrer sur la géographie et là je sens que je progresse. Et t'as Du coup, ça me l'impression de fait trop progresser plaisir. grâce à GeoGuessr, parce que pour le coup. Ah de ouf. Ah mais vraiment de ouf. Là tout. En fait, maintenant. Moi, je sais que Vilnius, maintenant, c'est une capitale, tu En vois. fait, contrairement à Estonie. avant, tu sais, il y avait plein de fois où j'avais pas des réflexes de placement en France et tout. Et maintenant, même quand ça parle de chef-lieu en question pour un champion, j'ai beaucoup plus de réflexes qu'avant. Oh, le crack. Et moi, je sais où est Blois maintenant grâce à Bah, GeoGuessr. bien vu ça. Let's go, l'exo-xav. Alors, montrez pas le lien, je vous le Ouais. mets sur TS. Le montrez pas. Et n'appuyez pas sur Start Game tant que je ne fais pas le décompte. Parce que sinon, bah, on aura pas, on sera décalé quoi. Ouais, c'est pas très fun ça. Ouais, ça c'est pas fou hein, d'être décalé. Les gars, déjà, je vous souhaite le meilleur. C'est quoi Ok. là du coup? C'est le monde? Non, C'est France là pour on commence l'instant. par deux France, puis deux Europe, puis deux mondes, Xav. Exactement. Deux France. Moi, France, c'est plus je facile me du coup, mute, je me non? mute pendant les trucs, hein, je vous le dis. Je suis Ouais. en, je suis en Bah, on se mute, full, ouais. je suis en full tryhard. Hein. Ok. Ok, bah vas-y, tryhard, Et ensuite, t'es genre, on débrief un peu entre les points, parce que tu sais, je suis obligé de parler et tout, je suis trop chiant, donc ça Yes. va vous faire chier, ça va Non, mais être. y a aucun. Mais gros, mais c'est. Enfin, Non, faut mais le juste, mettre. enfin, putain, mais je t'aime, Xav, ça fait longtemps là qu'on n'a pas fait un petit live là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'on pourrait faire Je vous du dérange? squeeze. Ouais, pardon. Désolé. Mais Je vous putain, c'est. dérange, quoi. Non, c'est beaucoup vu. J'avoue que le Xav, ça fait longtemps. Ouais, je. Quand vous voulez, je suis On prêt. voit demain à Webed, ouais. Allez, J'aimerais ciao, vas-y, ça. go. Vas-y, fais un pour 3, demain. 2, 1. Mesdames et messieurs, bon courage, premier round. Ok, les potes, on est parti. Et ça, je peux te dire que c'est de la Camargue. La Camargue, la. C'est ils m'entendent pas. La bosse, la bosse, la bosse, on est où là? On est où, mon con? Donc, on est parti, hein, 5 minutes, on connaît un peu les trucs là. J'avoue, faut que je focus. Putain, les gens m'avaient engueulé. Eh, dernière fois, je le dis, les gens m'ont. Ah, Emote Only, merde. Mettez en Emote Only. Les gens m'ont engueulé le Perrier. Putain, parce que j'utilisais pas de bloc-notes et les gens ont été un peu durs, Salerten. Genre sur la rediff, où on sentait vraiment que j'avais la fédé, quoi. D948, D103, on est en Vendée, boum. La Vendée, ça nous gagne. La Vendée, c'est là, non? C'est La Rochelle. Bon, on verra un peu plus tard, mais c'est ça, je pense. Un peu plus haut, quoi, c'est sous Nantes. Et les gens m'ont. C'est vrai qu'il y a ce truc où je connais pas encore tout D103. Je vais suivre la D103. Je connais pas tous les départements. Et ce qui fait que on est peut-être déjà dans un problème à l'heure actuelle. Il y avait le bloc-notes aussi, mais j'ai pris genre beaucoup de plaisir. Il y a des gens qui m'ont dit aussi, ah ouais, mais GeoGuessr, on en voit beaucoup et tout. Mais bon, moi je me lasse de beaucoup de choses. Alors quand je prends du plaisir sur un truc, bon, si vous vous lassez avant moi, c'est votre merde. Tu vois, genre, faut se le dire. La Boudière. Rochefort. Attends, je suis où là? On est en Vendée là? Vendée, c'est au-dessus.
Ok, bah descend 3 là-dedans du coup. Les herbiers. Attends. Faut que je trouve la garnache. Je crois qu'on est par là. D32. Pourquoi je verrais ça là? Est-ce que c'est un vrai bon choix de revenir en arrière là? Avec le bloc-notes, j'aurais pas eu à revenir en arrière, j'aurais pu continuer. Jusqu'en fait, il y a deux départementales et j'ai pas vu lesquelles c'étaient les deux. Mais vous en faites pas. Ah, je vais décevoir dès le début comme ça là. J'avais fait des bonnes games là. D119. D119 et il y en a une autre là. D948. D948. Je le sentais. Je le sentais, les gars. D948. D103. D117 là, c'est ça? Voilà, D948, elle est là. Hein. 2 minutes 29. Après, on a un peu le temps. D119. Je sais pas pourquoi j'ai une impression de la garnache. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. D109, D119. D103. Il n'y avait pas un truc avec D103, là? D103, là. Saint-Urbain. D119. Eh ben, où est-ce qu'on est, là? Eh ben, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Eh ben, alors l'eau? Eh ben, on n'est pas venu pour rien, hein? Pardon. Je pense que j'ai besoin de ça. Je pense que c'est quelque chose qui fait... Ok, donc Saint-Urbain, c'est vers là. Et on est à combien? On est à 3 km de Saint-Urbain. Sachant que là-bas, on suit la D103. Et que là-bas, on suit la D119. Donc on est exactement genre là, quoi. Si je ne m'abuse. Et je pense qu'il y a même des noms de rues. Je vais revenir un peu avant. On est où là? C'est par là, là, que j'avais vu? Route de la Schneckel. La fameuse route de la Schneckel. Eh ben, comment elle est, celle-là, là? Attends. Qu'est-ce qu'il me dit, celui-là, là? Chemin du Bois Moreau. Le Petit Moreau. Le Petit Bois Moreau. M'emmerde pas, Michel, m'emmerde pas. Je te le dis une bonne fois pour toutes, m'emmerde pas. C'est quoi ça, là? C'est quoi cette... Attends, commence pas à paniquer, là. Qu'est-ce que je fous, là? Je panique. À vendre, la bosse, la fond... Je fais quoi, là? Je suis où? Parce que c'est chemin du petit, le petit Bois Moreau. Et là, c'est juste le Bois Moreau, non? Ou c'est autre chose? Oh, j'ai full choc, là. C'est terrible. Chemin du Bois Moreau. Ah, c'est con. Route de la Bêche. Mais on n'est pas du tout route de la Bêche, là. On est route de la Bêchée. J'impose. J'impose. Ouais, re les potes, ouais. Ouais, 7 km. Ouais, bien joué. 100 km. Ah, bien joué, 41 mètres. Oh là là, le boss. J'ai absolument pas... Bien joué. Combo. Toujours dispo en voix. Je ne connaissais pas les villes. Pourtant, j'avais des beaux panneaux avec plein de villes. Hein. Je ne connaissais pas une seule ville. Je l'ai vu 10 secondes avant la fin. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur Salerten. La garnache, ça vous dit rien, les bonbons Non, pas du tout. J'ai juste vu... En fait, j'ai vu Beauvoir-sur-Mer. La garnache. Non, mais gros, la garnache, non. J'ai vu Beauvoir-sur-Mer, du coup, je me suis dit... Vu que le numéro de téléphone c'était 02, on était dans le nord-ouest et j'ai cherché. J'ai pas vu le numéro de téléphone, moi ouais. j'ai juste vu. Moi j'ai vu la Vendée, ça a mis bien. Ah, j'ai vu que Châteauneuf, ça m'a mis mal quoi. Bien joué. Putain, mon fond vert est en train de craquer. On est reparti Ouais, on est parti. Ah oui, je t'en dois. Ah non, bah à la toute fin, non? Ah, vous faites à la toute fin, ok. Je pense, ouais, non, c'est plus pratique de mettre à 25 minutes. Ouais, c'est vrai. De toute façon, moi je suis déjà bien là. Parce que sinon, tu sais, on doit faire F11 et tout, moi j'avoue que ça me. Eux ils faisaient à chaque round, c'est pour ça. Frérot, nous on est en Ligue 2, on met qu'à la fin nous. Ah oui. Nous c'est la Ligue 2, hein, nous c'est. C'est vrai qu'on est en Ligue 2. Moi je suis en National. Parce que je crois que c'est la Coupe de France. Le petit pousset, Carquefou. T'es en Coupe de France ici. D'ailleurs, il y avait les herbiers dans le coin. Voilà, on peut continuer. Attends, juste, PA, tu l'as eu comment aussi vite? En vrai, non, j'ai eu Vendée,
Et ensuite, j'ai eu des 109 et des machins. Ah, t'as et... vendé ! Oh, le boss. Mais t'es sur un truc à droite, là, les plots de... Ah, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. La D103, mais putain, je vois même pas. J'ai noté une route, je la vois même pas sur la map. Ah ouais, si, elle est toute petite, putain. Attends, je vais peut-être ouvrir juste un petit coup de bloc-notes. Well played. Vous mettez bloc-notes, vous ? Ouais. Yep. Okay, moi, je joue avec un post-it parce que bloc-notes, c'est un enfer de faire alt-tab et tout. Déjà que je suis ultra lent. Bah ouais, je suis d'accord, putain. T'as un petit truc post-it, toi ? J'ai des post-it, ouais. Ah ouais, moi, des post-it. Des post-it, je sais même plus de quel jeu. De comment ça s'appelle ? Ça m'énerve, okay. je vais retrouver, tout le monde s'en fout, mais je vais retrouver. Ok. Bon, on le fait pendant les 5 minutes ? Ouais, tu le dis juste après, comme ça ? Ouais, non, mais c'est pas pour vous, c'est pour moi. Hein, okay. Genre, vous pouvez faire go, hein, vas-y. 3, 2, 1, on est parti. Ah, c'est IRL. Oh là là, c'est de la montagne. C'est de la montagne, on choisit toujours le deux chemins de la descente, bien sûr. Et on est reparti. Non, mais là, je flex un peu sur leur gueule. Parce qu'il y a des moments où j'ai des moments de... Bon, c'est pas génie, là. C'est pas génie, mais j'étais pas mal hein, sur la Vendée. Va me falloir un modo, j'ai pas trop vu qui était là. Il y a Sarah. Sarah, t'es un peu dispo, je sais que c'est un peu chiant. Hein, de... Attention, travaux. Oh là là, ça me dirait qui aille, ça. Lay et Balieu, D125. Ah, je sais que ça peut... Ça, c'est l'anti-trigger, déjà. Mais il y avait peut-être un chemin sur la gauche, et il y avait même un chemin sur la gauche avec d'autres indications. C'est vrai que le bloc-notes peut que me faire gagner du temps, au final. Ça, c'est l'ex, ça. Enfin, l'ex, je sais pas comment on dit. Hein. Mais, non, mais j'avoue que j'aime beaucoup GeoGuessr. Voilà, je vous le dis, quoi, je me confie. Pierrepont, Longuillon, Bazaille. Longuillon, Bazaille, Pierrepont, Chénière. Je peux pas tout noter, là, je pense. Hein. Je pense que c'est perte de temps de tout noter. Là, un petit numéro. 03, Nord-Est. 03, Nord-Est. Boum, je zoome sur l'ex. C'est là. Putain. Je suis désolé, de temps en temps, je vais en tenter. C'est juste pour un best-of. Excusez-moi, hein, c'est mon monteur qui m'a dit que ça devenait un peu pauvre, là. Il fallait 2-3 plays, quoi. Du coup, il met que mes fails, maintenant. D125. Des 25. Chénière, ça a l'air d'être quelque chose. Hein. Je vais prendre Chénière. Des 25. En même temps, là, mais là, attends, c'est... parce que c'est nord-est, mais 0-3, ça fait quand même de la masse. Hein. Ça serait bien de pas trop me déconcentrer. Tu vois, que je reste dedans. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire ça, moi. À un peu me disperser, divaguer. Au final, profiter aussi, il est vrai. Mais c'est vrai que quand je suis comme ça, dès le deuxième guess au final, on s'en sort pas. Hein. Oh là, il n'y a pas une petite info là, Conseil National, des villages et villes fleuries, dommage. Ils prennent un 3 étoiles quand même en village fleuri, c'est pas mal. Un chénière de D25, ça serait bien que ça nous amène sur un village un peu plus fat. Parce que là, pour l'instant, on sait juste que c'est nord-est, quoi. C'est quoi ça ? Ah, Cutry, ça nous suffira pas du tout, là. Cutry, ça va être très, très léger, ça. D17. Villers-la-Montagne. Villers-la-Montagne. Ça sent le... Cutry, Réon. Putain, mais... Ça sent un peu la Vosge. Mais la Vosge basse. Putain, non, mais là... Ça sent pas le Vesoul non plus. Mais ça sent pas le... Au cours des 17. Oh là là, mais là, je suis en sauce. Hein. J'avoue que si je trouve pas un truc un peu plus big, je pense qu'on va faire des 17 cutri. Hein. Vas-y, des 17 cutri. Il nous reste 1040. On peut toujours espérer. On peut toujours espérer un petit coup de chat, un petit quelque chose. Ça, j'aime bien. Maintenant, je regarde les petits plots, là. Quand j'arrive à les choper. Nice. 16. Propre. Ouais, 1 minute 20 là. Oh. Cutry face à l'église. Ah, Cutry, on va avoir du mal. Hein. Là, Cutry, je sais même plus où on était de base. Parce qu'en fait, ça, c'est mon souci, c'est que je fais souvent des très beaux scores. Et souvent, je passe à côté, quoi.
Et du coup, en fait, c'est si j'arrive un peu à régu. Mais bon, là, j'ai pas eu beaucoup d'informations. Donc, soit j'étais parti dans le mauvais coin. Et juste, c'est aucune ville qui me dit quelque chose, quoi. Ah, frère, c'est bon aussi. Con la grande ville. Ah ouais, con la grande ville, m'emmerde. Con la grande ville, frère. Je connais pas, moi. Idéa construction, vallée de la chier. De la chière. L'Anguillon. Villers-la-Montagne, c'est foutu. Là, il s'agirait de pas trop ruine, quoi. Bon, 0-3, je vais mettre ça vers là, quoi. Oh, j'avais bon. J'étais pile au bon endroit. Enfin, pas du tout, mais j'étais vers là, quoi. Là, c'est vers le Luxembourg, ça. Après, on avait des informations. Langouy. Ah, Langouy, je connaissais pas. Aïe, aïe, aïe. J'étais assez propre. Un gros coup dur, là. 163 km, j'étais perdu de ouf. 100 mètres. Oh, le boss, Xara. Oh, le boss. Pas du tout, 493 km. Ah ouais, ah merde. J'ai cliqué au pif dans la France. J'ai aucune idée de où t'étais, les putains de villes de Bazio et tout. Ah ouais, genre Longwy, vous connaissez? Longwy, je l'ai déjà vu. Et en fait, je trouvais pas. J'étais en mode, putain, c'est quoi cette ville? Putain, mais Longwy, mais maintenant que tu me le dis, je sais où elle est, Longwy. Elle est tout simplement à la frontière belge, quoi. Zéro, putain. J'avoue que j'étais du père, j'avais l'impression, j'ai eu un petit 0-3 qui m'a mis bien, mais... Gros coup dur pour moi. J'ai rien eu du tout, j'ai eu que des villes que toute personne connaît, genre Lay, Morfontaine... Ouais, là on a eu les mêmes. Ouais, bah t'as eu... Mais est-ce que Cutry ici sait comment sont classées les routes? En gros... Genre j'ai trouvé la D23, je me suis dit ça se trouve c'est à côté... Ah non, c'est full random, ça te fait jamais bait, en gros chaque département a ses propres départementales, et la D2... peut être à l'opposé de la D252, ouais, quoi. Ça tu vois, donc tout ça, c'est le bait, c'est infernal, frère. Par contre, quand t'as le département, t'as juste à check si t'as les départementales, check dans le coin et faut chat, déjà, pour trouver le département, gros, enfin, y a pas beaucoup de panneaux. Là, j'ai trouvé ça trop dur. J'avoue que je suis content que vous soyez pareil que moi parce que j'étais C'est pas grave, moi, c'est l'échauffement, comme j'ai dit. T'es nawak là. Oh, après, en vrai, non, parce que c'est nawak, mais si tout le monde est nul, au final, c'est que c'est. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage. Non, mais là, PA a pris énormément d'avance là. Ouais, bah moi j'ai fait 240 points là, donc j'avoue que. Je pars en échappé, mais c'est pas pour autant que. Là, tu pars en échappé. Hein. Apparemment, tu l'as eu avec Kamel et toi, Lionel. Ouais, on m'a dit, on vient de me dire, ouais, j'ai complètement oublié. Je sais pas du tout que je. Allez, vas-y, hein, tu me dis. Hein. 3, 2, 1, go. Ça me bute d'être le mec qui se la pète à moitié. Ça me. C'est fou ça. Ils doublent énormément les voitures. Hein. Je sais pas, la vitesse où ils vont. 0,2, boum, en joue. On va pas se concentrer que sur 0,2 parce que ça transporte du gasoil, mais. Alors en joue en plus. Mais 0,2, nord-ouest. Déjà, on est calé. On est calé, c'est pas pour autant qu'on va se conforter là-dedans. Non, parce que souvent, tu vois, j'ai craqué sur des moments où j'étais très bien et ensuite j'ai fait full merde. Genre en mode. Non, mais en joue, je sais que vous connaissez. Oh, l'Anjou, c'est là. Ah, oh, propre. Parfait. Super. Du coup, mais ça ne veut pas tout dire quand même. Ça nous donne juste une petite indication. Oh, la chatte, putain, que j'ai soit dessus. C'est vrai que je m'étais fait la réflexion, alors un peu conne, ou parfois, j'ose pas le dire, mais Angers-Anjou, ça m'avait fait un truc la dernière fois. Et maintenant que je suis tombé dessus, je m'en souviens. Eh ben alors toi, Morane, qu'est-ce que tu me fais, Morane? Comment ça? Ça, c'est vraiment full triché, ça. Ça, c'est vraiment du vandalisme. Oh là là, mais quelle bande... Ah, ça me dégoûte, ça. Ah ben, on est dans une ville, là. D26, chemin sur Sarthe. Ah ben, c'est exactement là où on était. Chemin sur Sarthe, c'est Le Mans, ça. C'est un peu plus haut, peut-être. Chemin sur Sarthe, moi je le vois dans le coin là. D26, hein, tu vois, sur Sarthe là. Bien sûr, un petit chemin. Ah bah la Sarthe elle est là. Bon, on se la refait. On se la monte. Chemiré. Ah bah c'est Chemiré, bah on est là. Allez hop. Et du coup là, on va au nord, donc on allait au sud, donc on vient des Barbotières. Allez hop. Non,
J'allais au sud. J'allais par là. Hein. Ouais, j'ai suivi ça. Ok, donc on est là, il me reste 2047. Oh putain, faut peut-être que je vais leur mettre un peu de... Mais je suis vraiment... Je suis un enculé. Les chaînes ? C'est où ça, les chaînes, là ? Qu'est-ce que tu... Geek de Barèze. Les Barbotières. J'aimerais pas trop habiter genre au milieu de nulle part, quand même. C'est un truc qui me tenterait assez moyennement, quand même, dans l'ensemble. Ouais, désolé, on n'a pas le droit aux, tu sais, yen, ay et tout, tous les trucs qui peuvent un peu spoil, on essaie d'éviter. Ah, mais ça, ils vont trouver très facilement, ça. Quoique, les mottes... Ouais, putain, faut... En fait, je sais pas à quel point j'ai remonté, là, jusqu'ici. Ah, village des mottes. Et du coup, il y a un truc à droite, les mottes. Là, je suis là, du coup. Je full chat. Donc du coup si si ça c'est justement nos maisons, parce que là j'allais au nord sur les chenets, donc moi je suis là. Attends, on va aller au nord à nouveau un peu. C'était les chenets que je suis tombé. C'était quoi là que je suis tombé sur quoi? Non, c'était un B ça, non? Ah, je sais pas comment ils font pour flouter. Les chenets. Ah, c'est ça. Là, c'est la maison là. Donc, du coup, si je vais de l'autre côté, on va essayer de faire un bon score. Alors, j'avance. Bah là, on passe un petit... Eh bah ouais, ça, c'est le genre de truc, vous m'auriez fait mal, là, pour ça. Bon, on n'est pas là non plus, non? Vous pensez qu'on est là, vous? C'est un petit pont à ce point? Non, mais là, il n'y a pas de rivière, là. Vous pensez qu'on est là, du coup? Enfin, genre là, techniquement? J'avance. Ah, deuxième pont. Deux ponts. Ah bah du coup on pourrait être là. Ruisseau de... Ah bah si, on est exactement là, on vient de passer deux ponts. Eh ben... Non mais il y a vachement de chemin. En même temps, ça a l'air d'être ça. Hein. On vient de passer deux ponts. Je suis juste avant les deux ponts. Hein. Moi ça me semble assez... Et je vais au sud. Ouais, je pense que je suis... Je te le mets là, j'hésite. Je te le mets là. Ah, on est plus haut. Bon, on fait quand même un très bon score. Bon, c'est cool, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est bon pour la confiance. C'est bon pour tout. On se perd un petit 2 points, mais ça reste très propre. Je pense que, au pire, ils ont comme nous. Et honnêtement, ça joue rarement à 1 point ou 2. Et j'espère que je reviendrai pas sur mes dires. J'ai envie d'aller pisser. Bien joué, PA. Vous avez fait combien, hein? 38. Pareil que toi. Ah, putain. J'étais à chier. 38 j'étais quoi, à points chier. 38 quoi, Xav? T'as fait 38 km. Ah. Non, pas 38 mètres. Ouais. 38 points. Non, j'ai cru 38 points, je me suis dit merde. Ouais. Non, quand même pas. Mais putain, toi aussi, t'as eu pareil, étoile, genre tu le voyais plus bas. Quoi le... Ah oui, ouais. Mais en fait, je connaissais l'endroit, je connaissais la ville. Les Barbotières, là? Enfin, le... Non, je connaissais Saint-Denis d'Anjou, je savais que c'était là. Du coup, ça m'a mis bien. Ah, putain, je suis parti de l'autre côté, moi. Tu commences à connaître Saint-Denis d'Anjou. Parce que j'habitais pas loin quand j'étais petit. Mais c'est pour ça. Je crois que c'est ça, tu m'en as parlé déjà de Saint-Denis d'Anjou ou un truc dans le coin. Ouais, c'est mais pour oui, ça. J'habitais pas loin. Ah, j'aurais dû suivre le fleuve. En fait, j'ai trouvé Angers, il me restait genre 10 secondes. Donc après, j'ai cliqué au pif à côté, quoi. Putain, ouais, moi j'ai eu. J'aurais dû zoomer sur Angers et voir le fleuve et après remonter. Bah, ça va, ça te met quand même bien, là, Xav. Combien t'as fait 4500 ou 4200? 3009. Non mais de toute façon, j'ai au moins 5000 points de retard déjà, mais Osef. Hein. Non mais ça comeback vite. Hein. Non mais ouais, là honnêtement, gros, j'ai que des top perf où et de temps en temps, je lâche genre 150 points quoi. La dernière fois avec étoile, c'était terrible. T'es en train de clutch là. T'es en train de faire du après, sur France, c'est difficile de faire sans enfin de faire. Ah mec, toi, je t'assure, dernière fois, ben en fait, quand t'as aucune enfin dernière fois, moi ça m'est arrivé 2-3 fois où étoile a eu genre 5000 points, j'ai fait genre 1005, j'étais en mode bon bah. Donc honnêtement, ouais, quand t'as pas d'infos, c'est terrible. Tout est possible, quoi. Ça dépend de quel côté tu pars et tout. C'est. Clairement. Saint-Denis d'Anjou. On y retourne? Vas-y. Prêt, mesdames et messieurs. 2, 1, et go. Let's go. Bon, on est bien. Oh là là, c'est du Paname, ça. Ça, c'est du Panamzou, ça. Oh là 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 là. Ah, c'est pas du Paname, ça. Ah si, rue le Dru Rollin. Est-ce que c'est celle-là?
C'est Paris ? Rue de la Roquette ? Non, c'est où, le Dreux-Rollin, c'est plus bas. Ah, rue le Dreux-Rollin. Non, mais c'est une avenue. On n'est pas du tout dans Paris, là. Rue le Dreux-Rollin. Ah, c'est une avenue. Eh, on n'est pas dans Paris. On n'est pas dans Paris ? Avenue de... On n'est pas dans Paris. On est où, là ? Je vois une ville, je dis Paris. Avenue Daniel Casanova. Ah bah si, c'est Paris, ça. Ivry-sur-Seine. Ah, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas. Rue Le Dreux-Rollin. Bah du coup, on avait une avenue intéressante, là, non ? Avenue Daniel Casanova. J'ai une belle chatte, quand même, là. Rue Le Dreux-Rollin, on est juste là. Là, je suis quand même en belle chatte, là. On va vers le nord, on est sur Casanova, et on croise le Dreux-Rollin sur la droite, c'est ça ? Ouais. Ok, parfait. Du coup, est-ce que j'ai une rue de l'autre côté ? J'ai pas spécialement de rue. Si, il y a une entrée de parking ici. Je pense que je suis là. Je vais pisser, j'arrive. Pa-pa-pa ! Je vais la chercher ! Oh là là. J'ai eu le temps de me laver les mains, tout ça. Ils l'ont ou pas ? Ils ont parlé ? Putain, j'aurais dû leur dire... j'aurais dû leur dire que j'avais 5000 points avant de me barrer. Eh, c'est pas mal, hein. Vous l'avez, les gars ? Non. Jure, ça fait le flexeur. Non, parce que j'ai eu le temps d'aller pisser et de revenir, donc je me demandais... Ah, ok. Crois-moi quand on est perdu au bouton. Non, pardon. Non, je suis trop nul sur ce genre de match. Vraiment mettre trop de temps. J'aurais pas dû. J'ai besoin de temps. Je suis désolé. Mais je troll, t'inquiète. 03, c'est nord-est. Ouais, en gros, les numéros de téléphone, c'est 02 nord-ouest, 03 nord-est. 04, c'est... 04 sud-ouest 05 sud-est ? Ou pas ? Le mec insupportable, ouais, je suis trop chiant en ce moment. 04, c'est sud-est ? Ah, ok, ça fait 0, donc 01, 02, 03, 04, 05. Ok, 05, c'est sud-ouest, putain. Le karma va te rattraper, non mais toujours. Je suis obligé de faire un peu le mec à 2-3 moments. Mais là, j'avoue que c'était assez... En vrai, t'avais Ivry sur scène assez tranquillement, genre sur le truc de bus, quoi. J'ai un sub gratuit, je le mets pour Domi ou plutôt pour un petit streamer, les frères. Bah frérot, comme tu le sens, mon cher Hardzer, il y a plein de gens qui méritent du soutien sur Twitch. Donc fais ce qu'il te plaît, mon ami. Voilà tout. La Corse, c'est 04. Ah, ouais, Corse, c'est 04 ? 01 Île-de-France, ouais. C'est 01 Île-de-France, ouais. Yup. Mais je demandais Corse. Elle est où ta copine ? C'est louche, cette chance. Pense escargot comme arrondissement. Comment ça, Hugo ? Hardzer, finalement, qui a lâché son prime ici. Eh bien, merci beaucoup. Je suis convaincu. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup, mec. Merci à tous les gens qui nous rejoignent dans l'aventure, qui soutiennent cette chaîne. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ils ont... Putain, ce petit... Je comprends pas ce que vous me dites avec petit escargot. Ah, ok, pardon. Ah oui, 01, 02, 03, 04, 05. Ah oui. Je comprenais pas.
Ouais, ah ouais, 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 bah j'ai fait. Ouais, j'ai fait 4999 points, dommage. Bah, propre, propre de ouf. Bah, j'ai trouvé la rue vraiment à 5 secondes. Ah ouais, la dernière la seconde. La rue, j'ai trouvé la rue du docteur et j'ai cliqué juste au-dessus, quoi, mais. En pure chasse. Putain, moi j'ai eu le. Tu sais, il y avait le truc de bus. Ah, le bus, ouais, tu l'as. J'arriverai sur scène et le Dru Rollin, et du coup, fait l'avenue, et du coup, j'avoue que. Oh, le crack. Moi, j'ai cherché pendant 20 ans, j'ai cherché le. Mais en vrai, c'est juste l'habitude que vous avez des panneaux. Genre. Mais je regarde des panneaux, mais en fait, je regarde la rue, mais il y a tellement de rues à Ivry. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, ouais. Je suis en mode, si je cherche juste le nom de la rue, je lis toutes les rues, j'en ai ouais, pour. C'est vrai. Mais l'avenue, hein. L'avenue, ça peut mettre bien, tu sais, les gros trucs. Ouais, mais en fait, à un moment, j'étais sur Vitry, donc forcément, ça m'a pas trop aimé. Ah ouais, t'es descendu. Mais j'étais. J'avais vu que c'était à Ivry, mais je suis trop descendu et je me suis retrouvé à Vitry. Parfois, c'est trop chiant quand le dézoom, tu sais plus exactement où t'es. Genre, parfois, il y a des quartiers, genre la Roquette, tu sais pas si c'est des rues, des villes, des trucs. Bref, ça va, j'ai chaté. Allez. On y retourne ? 2, 1, go. Let's go. Ouf, pas ma spécialité. Pas ma spécialité. Y a pas de panneau. Oh là là, là c'est terrible ça. Bon, pour l'instant, 18304. Ok, on passe. Je suis parti à l'est. Je suis parti à l'est et je rejoins un village. Ah oh ouais, là c'est la dure là. Et j'ai vu un message tout à l'heure disant que c'était trop bien d'habiter au milieu de nulle part. Mais en fait, ça dépend. Enfin, ça dépend de tes envies et tout, quoi, je pense. Enfin, pas de tes envies, mais de ce que t'as eu l'habitude. Ouais, j'avoue que... Ah ouais, là, c'est... Tu vois, là, je pourrais avoir un peu de mal, quoi. Mais maintenant, je commence à kiffer de plus en plus tout ce qui est... Tout ce qui est campagne, etc. Genre, ça, c'est le délire, je pense, de... Quand t'es jeune et ensuite... T'es juste profiter de la nature, c'est assez cool, quoi. Quand même. Là où, quand j'étais petit, j'ai une maison de campagne juste à côté de Dreux, vers Nogent-le-Roi, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est mes grands-parents, et du coup, j'y allais et tout. Et du coup, c'est vrai que j'étais que sur l'ordi, je sortais jamais, quoi. Et maintenant, maintenant que j'ai grandi, j'avoue que c'est cool de sortir un peu de Paris et tout. On a un souci, là, non ? Parce que ça commence à... Au-delà du fait que je vous raconte ma vie, un peu comme d'hab sur ces sessions. C'est quand même... c'est une minute 32 clics, là, pour l'instant. Trenet, Moulin, le Verdre, Saint-Imbert, le Buisson, Aligny, D272. C'est quoi ça, c'est D272 aussi? Oh, l'autre me tente plus. On peut pas y aller, ah si. Ça, c'est vraiment aucune idée, quoi. Là, on est quand même un peu enfoncé, quoi. Après, c'est normal, c'est pas des gros croisements, quoi. Mais là, je reviens d'où je vis, là. J'étais là, non ? Saint-Imbert, Saint-Imbert. T272. Trenet, Moulin. Peut-être mieux d'aller de l'autre côté, en vrai. J'allais de l'autre côté. Il y avait plus de trucs. Oh là là, c'est terrible, hein. Saint-Imbert, Moulin, là, pour l'instant, on n'a rien du tout. Oh, c'est pas mal ça. Oh. Attends. En vrai, ça, c'est le genre de panneau... Après, c'est le genre de panneau où je sais pas répondre. Attends. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de retourner là-bas pour voir une vache en mode limousin ? Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait, ça. Mais parfois, ça donne des informations clutch, quoi. Le Verdre. Bon, vas-y, on va suivre le Verdre. Hein. En l'occurrence, là, c'était pas clutch. Bon, je pense qu'on va avoir le premier choke. J'ai beaucoup... En même temps, j'ai flex juste avant. Donc, quand je flex, généralement, c'est terrible derrière. Ah, voilà. Il faut bien. Là, c'est le Moulin, là. C'est le Verdre. Ouais, le Verdre des 272. Après, c'est quand même un peu plus habité que juste avant, quoi. Avec un peu de chance. Oh, mais en même temps, là, j'ai l'impression d'avoir. Oh, oui, là, c'est pas mal, ça. Allez. Allez, une ville qui me dit un truc. Chantonnay, Saint-Imbert. D272. Saint-Augustin, Château et Réserve, on est où ? On est Château et Réserve, Saint-Augustin, on est où ? On peut être où, là ? On est en Champagne ? J'ai aucune idée, ça va être le moment où... L'Allier. C'est une petite rivière, ça, non ? Putain, ça me dit un truc, je sais pas pourquoi. Ah, mais ça, c'est le classique.
Ah ça y est, je commence dans le je sais pas pourquoi je connais. Alors qu'en fait je connais pas. Ça se jette dans un truc un peu plus gros, je crois. Normal en même temps, c'est une rivière. Non mais genre on est peut-être dans l'heure. Peut-être. Saint-Pierre le Moutier quand même. Je sais pas. Qu'est-ce que je fous là? On est peut-être genre. Je sais même pas où est l'heure. Eure-et-Loir, c'est au-dessus l'heure, non? Tu vois par là, là. Aucune idée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, il me reste 20 secondes. C'est foutu. Un peu plus vers là quand même, non? Je suis pas du tout là. Je suis pas du tout là, genre. C'est le choke. J'aurais dû mettre... c'est plus bas. Et il est là, le choke! Savoir que je sais pas où est l'allié, hein, donc... Ah, mais moi aussi, mais putain, mais c'est... À partir de là... C'est un département, mais... Mais... Moi, j'ai trouvé la... j'ai trouvé Moulin. Du coup, ça m'a mis bien. Ah, je connaissais pas, moi. Ah, moi, j'ai trouvé juste la rivière, mais sauf que je sais pas où elle est. Donc, à partir de là, c'est mort. Hein. Ouais, moi aussi. Bah, en fait, c'est un département aussi. Je savais pas, putain. Ouais, l'Allier, c'est un département, mais ça me m'aide pas non plus parce que je sais pas où elle est. Ouais, donc... moi, non, mais j'ai fait le combo et Moulin, je connaissais pas. Bon, ah, bah, moi, ça va, je suis juste à 320 km. Je suis du côté d'Angers, moi. 309, je suis un peu plus haut, moi. Je suis un peu plus haut, je suis vers Évreux. Moi, j'ai suivi la Loire, je me suis dit, allez, c'est peut-être un affluent de la Loire. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, bah en fait oui, mais beaucoup plus loin, quoi. Non, mais Moulin, c'est si connu que ça, genre que... Bah, en fait, j'ai vu la nationale. En fait, oui. Je savais que Moulin, c'était à peu près au centre de la France. Du coup, j'ai vu Moulin. Ensuite, j'ai vu Chantenay-Saint-Imbert. Et ensuite, j'ai vu le Verdre. Mais c'était entre... En fait, c'était proche de l'Allier. Moulin, j'ai même pas vu, je crois, sur un panneau Moulin, moi. Ah ouais, Chantenay-Saint-Imbert. Bah, en gros, je suis rentré dans une ville. Elle est à l'extérieur pour avoir une grosse route. Et du coup, quand t'es sur la grosse route... Putain, en Bourgogne en plus, hein, je devrais connaître, mais bon, après, c'est ce que. T'as géré là, étoile, hein. Ça y est, j'en parlais là. Tout ce flex pour prendre à moins 4000 d'un coup. Non, c'est à côté. C'est en Bourgogne. Ah ouais, c'est vrai que Nevers, c'est juste à côté. Après, Nevers, est-ce que c'est vraiment la Bourgogne, quoi, Nevers? Ah, c'est le débat. C'est le débat, mon ami. C'est l'Auvergne, apparemment. La machine, juste à côté, putain. C'est fini là ou pas? Ah ouais. Le premier round, ouais, là, faut écrire les points. Oh bah, je suis chaud, hein. Là, j'ai eu tellement de points, gros. J'ai eu autant de points qu'en 3 maps. Même pas, en 2 maps. Oh, étoile, 21 000. En fait, la France, ça te met trop dans la sauce quand t'es loin. Ah tu vois, Xari, quand on fera World, tu pourras être genre à 50 km, t'auras masse points. Genre. Ouais, bah je sais, mais... je t'ai battu grâce à ça la dernière fois. Bah ouais. Du coup, là, tu te mettras bien. Là, je prends mes cartons. Je suis vraiment un enculé de choker. Mais c'est la vie! T'inquiète. Bien dit, bien dit, bien dit, honnêtement. Il reste masse round. Je vous fais le. Je vous host le game. Vas-y, mais... fais la suite. Je vous fais la suite. Deuxième round en France, mesdames et messieurs, sur la map de JD. Je vous rappelle, les mecs, parce que je me suis fait baiser sur ça. Il y a la Corse. Hein. Ok, pas. D'accord. Ouais. Ok. Ça me plaît, ça me va. Mais ouais, non, c'est vrai que putain, c'est pas facile parfois. Moulin, quoi. Mais j'avoue que Moulin. Non, mais l'Allier, j'avoue que c'est un peu. Moi j'ai dit, ah l'Allier, c'est une petite rivière qui se jette dans un gros fleuve. En vrai, l'Allier, c'est un gros affluent, mais le problème, c'est que c'est grand, quoi. Ouais, non, mais j'avoue que. Et surtout, bah, l'Allier, c'est l'affluent de quel fleuve? Bon, bah, c'est la Loire, mais bon, quand tu sais pas, bah, t'es une salope, quoi. T'es ouf. Ah, non, mais c'est tout le souci, mec, de. NP. C'est tout le souci du jeu. Allez, c'est ça. De quoi, Ethan? Hop, non, c'est bon, désolé. Je checkais juste un truc. Hop. Hop, je vous mets le lien. Mais ouais, c'est toujours le souci dans ces trucs-là. Quand tu l'as pas, tu l'as pas, quoi. Ok. Je suis prêt. Comme d'hab, on a pu pas. Ouais, comme d'hab, on a pu pas sur Monster Game. Eh ouais. C'est bon, je suis prêt. Putain, et toi qui es 2000 points devant, là. Ah, ça va très vite en France, hein. Ah oui, en fait, on fait un classement global, hein, quoi. Ouais, c'est ça. Jubilé, mec. Ce qui fait que t'es tranquille, tu vois, genre, il y a des moments où tu peux te choke, tu peux revenir. On fait un jubilé, Xari. Tout est sur l'endurance. Tu vois, là, sur un truc qui a eu 4000 points d'écart, ça te... Ouais.
Mais t'inquiète, hein, tu sais, il y a des moments où vraiment tu prends des fours, quoi. Ah, mais 3... je comptais pas gagner, de toute façon. Hein. Mais... Oh, ça te fait jouer, quoi qu'il. 3, 2, 1, go. J'ai le mort. Voilà, je vous le dis. Vous l'avez vu sur ma tête. Ben, c'est officiel, j'ai le mort. Ah merde, Emotonly. Il faut Emotonly pour Xav. Non, t'es pas obligé de jouer en Emotonly. Moi, j'aime bien jouer en Emotonly. T'as des gens qui, genre Antoine Daniel, Link et tout, je les vois jouer en juste, bon, ils bannent les gens s'ils parlent et tout. Moi, en fait, je vous regarde pas trop, donc je trouve ça rigolo d'avoir Emotonly. Putain, j'ai vu un tweet entre-temps disant, putain, je regarde Domingo juste pour faire plaisir à mon mec. Tornay, c'est connu. Il utilise des mots bizarres, je comprends pas. Eh bien, écoute, bienvenue. Pourquoi là, je peux pas y aller dans cette direction? Je vais de l'autre côté, du coup. Eh bien, bienvenue, c'est de la géographie, c'est de la route, voilà, des surprises sur ces streams, c'est trop bien. Écoute, peut-être demain soir, plus Popcorn, c'est un peu plus ouvert aux gens, on va dire. Après, GeoGuessr, forcément, ça nous rapproche, c'est clair que là, on est tout de suite, fait plus de 15 000, on se connaît pas, mais on se connaît un peu sur GeoGuessr, voilà, on navigue sur les routes... Avec des Genevièvres. Genevièvres, si je dis pas de bêtises, c'est du Essonne, ça. C'est pas du tout ça. Voilà. Genevièvre. C'est quoi? Il n'y a pas de... Genevrière. Je sais pas, je ne peux pas dire ça, moi. Je passe 10 minutes dessus. Ma bouche n'est pas faite pour dire ce nom de ville. Hein. Genevrière. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où, là? Un petit 0-2, là. On voit un 0-2. Là, je vais avoir un 0-2. Vilgusen, Neuilly-l'Évêque. Oh là 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 là. Oh, le Neuilly-l'Évêque. Putain, j'étais bien et je me retrouve, je fais 4000 points de moins. Ça, je suis vraiment un gros chien, quoi. Parce que dans l'ensemble, en fait, je suis bien régu. Juste 1 sur 5, je le choke. Oh là là. Oh, on n'ira pas là-bas, nous. Sympa. Sympa, sympa. Très très belle tout ça. Tornay, c'est connu. Hein. Bourbonne, les. Oh ouais, mais Tornay, Savigny, c'est connu tout ça. C'est connu tout ça. Bourbonne, Buissière, Belmont, Champlit, Frette. C'est connu, mais je connais pas donc. Ça fait chier, putain! Waouh, on l'a mis une vitesse. Buissière, les Belmont, mais mes couilles là. C'est quoi ça? T'es qui toi? On est dans le. Pourquoi je zoome sur ça? Il me reste plus que 2 minutes là, j'ai perdu là. Ça y est, je craque. Bon, allez, je vais tout droit. Merci à la 9K pour le 15e mois et Metz pour le 3e. Il y a de la vache. Hein. Voilà. Voilà. Oh, Romano, là. Je suis lent. Romano qui nous dit c'est du 0-3. Ok, on est à droite. Mais ça, c'est du classique. Hein. Tornay, ça nous dit pas un truc, là? 1 minute 16, je cavale. Ah, oh, j'ai cru que t'allais donner une info de fou. Mais Genevrière, là, ça a l'air pas mal, hein, en vrai. Tu vois, on n'est pas genre... Ah non, non, ça c'est... Là, on commence à rentrer dans... On commence à rentrer dans du... Oh, vas-y, je vais faire 0, là. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve de fou. Ce jeu me tilte, en fait. Ce jeu me tilte. Il nous reste 5... Oh, la grosse rue. Oh. Allez, 40 secondes. 40 secondes, je vais au nord. Déjà, si on a à peu près le truc... Allez, juste, donne une info, fais pas le bâtard. Oh non, ça va être de la route pour rien. Pour rien, pas de panneau. Pas de panneau, rien du tout. Rien du tout. Oh, c'est quoi ça? Y a plus rien. Oh. Vas-y, nique ta mère. Oh, c'est quoi, là? Genevrière, là.
pas du Genevrière là dans le coin là. Coulommiers, c'est pas mal là dans le coin où je disais là. Près d'Auxerre là, c'est pas ça là, Montargis. J'ai aucune idée. Champignelles ? Étoile. 3500 points. Pouah, on n'a rien trouvé. Hein. Vesoul, ça nous a même pas indiqué Vesoul. Ouais, j'ai tous, ouais. J'ai le mort. Trah, j'ai ruiné, gros. T'as fait combien, Xari ? J'ai fait 359 mètres. Bah, j'ai. Comment tu fais bien, ouais, grave. Non, mais j'ai fail parce que j'aurais pu être meilleur sur la fin. J'ai été un troller. Un trouleur, gros. Putain, comme vous aviez quoi, vous avez trouvé des trucs? Bah, j'ai trouvé Haute-Marne, enfin le panneau Haute-Saône. Alors, tu rentres dans la Haute-Saône, et après j'ai trouvé la première ville et j'ai regardé dans les. Dans la frontière, quoi. J'ai regardé la première ville et après je suis remonté sur la route, quoi. T'as eu un panneau, toi, Étoile? Ah, toi, t'es parti dans l'autre sens, non? Ah, moi, j'ai rien eu. Enfin, tu sais, j'ai eu les trucs genre Champlit. Ouais, toi, t'es parti dans l'autre sens. Du coup, en fait, si t'étais parti dans le sens inverse. Tu tombais sur le panneau Haute-Marne, Haute-Seine, au bout de 30 secondes, je dirais. Ah putain, j'aurais dû en faire. Ça, c'est trop chiant quand tu te trompes. Fin. Ouais, quand tu te trompes de route et que t'as pas le truc, ouais, c'est trop chiant. J'aime ça. Un panneau où c'est marqué le département, bon, c'est un peu plus facile, quoi. Ouais, mais parfois, genre limite, j'hésite à revenir à l'endroit de base. Ouais, clairement, je vois. Non, mais dans l'autre sens, on pouvait pas avancer, non? T'as pas été bloqué à un moment? Non, je suis parti du côté des. Là où il y avait les rondins, tu vois, de ce côté-là. Ouais, moi aussi, mais j'étais bloqué après. Ah bon? Bah ouais. T'as peut-être. Bon, je sais pas. Ok. Ok. T'es là, Étoile? En effet. Non, Étoile, il a dit one suck, je crois. Ah ok, pas de sauce. J'ai pas vu. Ah ouais, j'ai fait 1500, là, c'est la sauce, là. En deux points, j'ai perdu 7500 points sur Étoile. Ça ouais, va bien. Après, moi, vraiment, je suis plus en mode, je joue pour essayer d'être un peu meilleur, mais. Ouais, mais gros, ouais, là, je sais que la Haute-Saône, en vrai, c'est pas loin de Dijon. Et j'ai... Enfin... Ah, tu connais. Oh, c'est Bourbonne-les-Bains. Non, non, mais c'est le pire, c'est que j'étais en mode, je sais pas exactement où c'était, quoi. C'est ça. C'est quoi ça m'a mis vraiment. C'est Bourbonne-les-Bains qui m'a mis trop bien. Parce qu'en fait, vu que j'ai vu le numéro de téléphone, tu sais, j'ai vu 03. Ouais, j'ai fait la même. Et du coup, je me suis dit, du coup, c'est vers le nord-est. Et vu que Bourbonne-les-Bains est visible à 30 km, je peux bien vous dire que si c'est visible à 30 km, vous avez besoin d'un petit zoom pour la voir. Du coup, bah, tu te balades vers le nord-est et tu vas pouvoir même pas voir Bourbonne-les-Bains. J'avoue, j'aurais dû faire ça. J'avoue, smart, parce que t'avais pas d'autres panneaux, quoi. Et du coup, t'es tombé. Ouais, t'as... C'est ça. Oh, j'avais pas d'autres ouf. Panneaux. Du coup, je me suis dit. C'est comme ça qu'il faut que tu check. Parce qu'en fait, tu te dis, ok, visible à 30 km, forcément visible. Ouais, sur la map, au moins quand tu fais un mini zoom, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, là, tu l'as vu et, c'était carré, quoi. Putain, bien, wesh. Ouais, bon, on est prêt? Allez. 3, 2, Smart, mais ça me donne envie de me foutre la tête dans le mur. A16, boum. A16 à 79 km de Paris. Et on va... C'est où la A16? A16 et on va vers le sud. Tu vois, comme ça, 79 km, je te dirais qu'on est là. À vue d'œil. À vue d'œil, je dis ça. On verra à peu près. On va voir, on va voir. C'est mon pari. Merde. On voit les airs sur... Air du Grand Bois. Non, on voit pas les airs, je suis trop con. Je m'étais mis là. Oh, le bois de molle. Aïe, 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 est-ce que c'est ça? Non, je pense que c'est à peu près ça, hein. Guess, on verra si t'as un bon oeil. Ah non, j'ai la flemme. J'avoue, j'aurais eu des couilles, j'aurais fait ça. J'ai perdu trop de points, putain. Ça me dégoûte, hein. Je suis trop bête. Bah là, il me faut une sortie, quoi. On va pas se mentir que si j'ai pas de sortie, j'irai sur la prochaine et... Là-bas, on a un panneau. Quoi? Ah, mais ça, c'est juste la sortie de l'air, ça. Je suis bête, non? Air du Grand Bois. Ouais, bah écoutez, c'est quoi ça? C'est pareil, c'est là, ça t'indique les. Voilà. Ça, on s'en fout en vrai. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le Grand Bois aussi de l'autre côté? Bah ouais. Oh, du chêne pequeux. Le chêne pequeux! Assez long là quand même. Hein.
cathédrale de Beauvais. Ah, mais du coup, on est avant Beauvais. Ah, merde, j'ai mal estimé les kilomètres. Je pense qu'on... Merde, ça veut dire qu'on arrive sur Beauvais, je pense, du coup. Et on va au sud. Allez, bouge, bouge. J'aurais dû aller dans l'autre sens, non? Parc Saint-Paul, suivre Rouen. Oh là là. Je vais réussir à pas me... Ah, mais là, ça m'a un peu tilt, là. Traverser Beauvais, sauf desserte locale. Ouais, on est au-dessus, du coup. On est au-dessus et... Donc, j'ai bien fait de pas deviner. Hein. Pas ouf, l'œil, alors. Ouais, pas dingue, dingue. Hein. Centre d'entretien, gendarmerie. Mais frère... Ah, ça m'a dégoûté, là, l'écart de points que j'ai pris, là. Ça m'a... Y a pas les sorties sur l'autoroute. Parce qu'en vrai, les sorties... S'il y a une 20, j'ai rien, je vais de l'autre côté. Beauvais Centre, Créteil, bah ouais, donc on était en entrée de Beauvais... Sortie 15, il y a les sorties. Donc du coup, on est un peu avant. Il te monte à voilà, fond du Chéché. Ah, c'était pas le PQ là ? Fond du Bois. Il n'y a pas les... Ah bah si, c'est ça là. Ça, c'est la sortie... Ça, ça doit être justement une aire d'autoroute, non ? Parce que c'est la seule fois où il y a un raccord. Ou là, de l'autre côté là. Mais je pense pas que la D938, elle passe par là. R de Grandbois. Ah bah non, on est un peu plus haut. On est un peu plus haut. On est un peu plus haut. Il faut que j'aille au sud à nouveau. Est-ce qu'il y a une autre sortie ? Je pense qu'on est là. Parce que c'est vrai que... On se la fait pas tout de suite quand même. Hein. Ah ouais, non, bah du coup, Bordeaux, c'est à 75 km du coup. Et là, on se la fait à combien là ? Il te l'indique à 2 km. Hein. Ouais, donc... Au nord. Ah bah là, il y a le truc qui passe au-dessus, je pense. Donc c'est là. Donc je pense qu'on est là. À peu près. Ah, on était un peu plus haut. Je pensais que du coup c'était le truc, sachant que je suis au nord. Alors que c'est alors, ça le truc. Ça a fait quoi ? Ça a fait 2 km. 1 km de mon côté. Bien joué. 3 km de mon côté. Mais c'est pas possible, hein, puisque c'est marqué je suis le leader. T'as bugué ? Non, t'es le leader parce qu'on a refait un challenge. Et tu sais, t'as fait 4999 au truc d'avant. Et là, t'as fait 4900. T'es le boss, t'es en tête ? Ok, j'ai pas compris. Tu es le boss. Oh putain. Pas facile d'évaluer sur l'autoroute, hein, putain. Je galérais de ouf, j'étais vraiment dans la merde. Après l'autoroute, ce qui est bien, c'est comment c'est facile. Enfin, t'es sûr que tu vas pas être à 1000 km, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Parce que bon, il faut savoir où est Beauvais. J'avoue, j'ai. Voilà, mais. Ah, mais moi, je vous dis, en ville, ouais. En géographie, je suis. Non, mais logique, hein. Ah, bon, ça fait progresser après. C'est... T'inquiète, ça fait progresser. Et moi, c'est Beauvais juste parce que j'ai habité pas loin aussi. Non, mais après, moi, en vrai, j'ai pas regardé Beauvais, j'ai plus regardé A16. A16, ça a mis bien, après, tu retrouves. A16, tu regardes dessus, après, tu vois cathédrale de Beauvais, tu te doutes que t'es à côté de Beauvais, quoi. Copier de Compiègne. RPZ. Vas-y, tu peux j'avoue. Dire. Vas-y, ça 3, part. 2, 1, go. Ça, c'est un round où, du coup, je leur mets 60 points, mais bon, quand on a donné 7500 avant. Ça te fait un peu mal au cul là. Hein. Voilà, qu'on se le dise. C'est où ça ? C'est le. Putain, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau ça. Il a habité partout, étoile. Toi, il a 58 ans. Hein. Il a vagabondé un peu là avant. Hein. Faut pas se démoraliser. Là, on est à 3 sur 5. On va essayer de viser. Oh, attends, là, on a 3500. Enfin... Qu'est-ce qu'il est dit là ? Du Rhône, parfait ça. Compagnie nationale du Rhône, fantastique.
Bah, je vais continuer par là et on verra bien si on a des panneaux. Et je pense en fait à un moment, si on n'a pas assez d'informations, faut pas hésiter à revenir de l'autre côté et se faire un. Et rebrousser chemin. Peuvent choke aussi. Étoile en ce moment, il traîne de ouf. Hein. Étoile de base, c'est pas trop le genre de profil à choke, pour être honnête. Et en plus. Putain. Pas une assez bonne vue. Et en plus, en ce moment, il traîne de dingue. Il joue que à HVO Guesser en ce moment. On peut pas y aller de ce côté. Chemin du pommier. Je vais peut-être aller à... Bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça, là? Bah c'est rien, en fait. C'est rien du tout, en fait. Et par là, là. Ok, on va aller de l'autre sens. Et du coup, ça fait que ouais, c'est pas un adversaire facile, mais du coup, c'est intéressant aussi, tu vois. Parce que bon, le Xav, il a pas beaucoup joué. Étoile, il se bute, c'est donc ça te forme au moins. Mais c'est vrai que Geoguessr, c'est quand même le sens de par quel endroit tu passes. Hein. Et en fonction de l'endroit où tu passes en premier, ça te donne déjà grave de l'info. Hein. Putain, comment j'ai flex au début, c'est le karma qui revient, c'est sûr. C'est juste ça. Il faut que je me débarrasse de ça. Je me suis débarrassé de ça. Il me faut un gros score. Je souffle. Ah mais là c'est côte de Beaune et tout là non? En Beaune c'est plus haut, je suis trop con. On se flagelle un peu ici. Hein. 2 minutes 30. Ah ouais ça c'est quand même chiant hein, putain. Non il n'y a pas à dire quand même ces rues. En plus on sait qu'on va pas avoir grand chose quoi. Ah ouais là je m'enferme sur des trucs. Je devrais aller à droite je pense. On va trouver une nationale ou un truc. Une départementale au moins. J'aurais dû aller de l'autre côté, je pense. Route de Savignas. On va aller par là. 2 minutes, après ça va, on a le temps un peu. Hein. Allez, une petite info là, un petit panneau. Il n'y a pas de panneau ici? Ah ouais, là les gens ils kiffent là. Ça a l'air d'être une plus grande route quand même. Je peux pas y aller? Ah si, je peux y aller. Ok, 1 minute 40. 1 minute 20. C'est chiant, là. Ça me tilt, ça. Ça, j'avoue, quand ça te le fait 2-3 coups de suite, là, t'as juste envie de te tirer une balle, là. C'est que de la poubelle, en plus. Là, ça me... Sur les poubelles, il y a des infos, parfois. Pas d'infos sur ces poubelles-là. Ah putain, ça m'énerve, sa race, là. Heureusement, vous mettez des petites fleurs dans le chat. Je vois la petite tête de ponce, ça me calme. Non, mais là, c'est dur, quand même. Putain, j'ai loupé des trucs, genre... Livron. Voilà. Voilà, j'ai Livron pour trouver, là. Gravette. Rubon pas. Ah ouais, là, ça me... Faut du panneau, hein. Gare SNCF. Le Provence, on est dans le sud, là. RN7. Moi, je pense qu'on est vers là. Hein. Genre vers là quoi. RN7, N102, N106, N102. Putain, je suis un enculé, je l'avais. Pourquoi j'ai descendu autant? Il faisait trop beau en fait. Alors qu'en fait, il fait beau partout. Hein. N7, Livron. Ouais, bah bien joué. Toi là, je sais pas comment t'as fait pour trouver la ligne. J'ai clutch sur la fin, genre à la dernière seconde. J'ai fait 300 km, hein, voilà. On a fait 2 km. Putain, 66 km, hein, j'ai pas. La N7, je l'ai eu trop tard et vous avez eu Livron, vous, c'est ça? Non, j'ai vu la Voult sur Rhône, on était juste à côté de la Voult. Ah putain, j'ai rien eu du tout. Du coup, je l'ai eu vraiment. J'ai rien eu, moi, j'ai.
J'ai cliqué vraiment en plein milieu de la France, en mode c'est là où ce sera le plus au milieu, quoi. En fait j'ai vu Rhône, ouais. Et après je suis allé sur... mais Livron, du coup, je sais pas où c'est, quoi. Genre, tu me dis Livron... Ah, j'ai vu Livron aussi, pareil, et j'étais en mode... J'ai vu un truc Rhône, mais j'étais en mode, bon, bah, où est-ce que ça peut être? En fait, j'ai vu Rhône, du coup, j'ai mis mon père Lyon. Après, je suis arrivé sur une grosse route et j'ai vu Privas. Je sais pas si ça se dit pas Privas, je connais pas. Et j'ai vu Privas. C'est une énorme ville, en plus, non? Ah ouais, putain, du coup, Privas, c'est pas si bien. Ouais, et du coup, je suis allé à Privas et j'ai vu la voulte au nord. Du coup, je suis allé à Privas. Ah, ok, c'est Privas, ok, je savais pas. Bah, du coup, c'était Privas et j'ai vu au nord de Privas et j'ai vu la voulte sur Rhône et j'ai mis mon point là. Il y avait des montagnes? Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des montagnes. Mmh. J'ai pas. Privas. Ouais, bon, un petit 600 points ici, ça me. Ouais, moi, 3003, là, j'étais un peu dans la sauce aussi, ouais. Ouais, 3000, ouais, ouais. Ça va. Ah, c'est tiltant quand même là quand on enchaîne 2-3 où tu fais un peu de la merde. C'est la France, mec. La France, c'est trop tiltant. Je trouve ça trop dur. Je trouve ça tellement plus. Mais en fait, je trouve que c'est aléatoire sur les délires de panneaux, quoi. Tu sais, genre entre guillemets, où. J'avoue, quoi. J'ai eu Rhône. Après, pareil, j'ai fait Lyon. Mais je suis débile, moi. Parfois, tu sais, je vois des trucs où les gens ont l'air vraiment d'être l'été, trop bien. Ah ouais, tu te dis. Donc, tu sais, j'ai mis genre Véralès, un peu au-dessus de Nîmes et tout. Et tu te dis, ouais, on est en soirée, quoi. Non, tu sais, c'est genre vraiment il y a les criquets, quoi. Tu vois pas loin, quoi, tu sais, genre. Et, ouais, et c'était ouais, un peu con. C'est grave normal. Ouais. C'est grave. Oh putain, il y a étoile sur Rhône, là. Quel bonheur. Trop plaisir. C'est où ça? C'est juste au nord de la voûte. C'est au nord-est. Nord-est de la voûte sur Rhône. Vas-y, à la suite. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, 3, ça part. 2, 1, go. Ah là, j'avoue que my bad. Oh non. Non, ça fait du bien. On est rue Jean-Jacques Boisseau. Ah, oh, mais je vois exactement où on est. Ah, quoique, ah non, je vois pas. Rue Coquillère. Ça me dit rien, ça. On est dans ces coins-là, là. On est près des quartiers du Louvre et tout, là. Attends, c'est où, ça? C'est beau, ça. C'est quoi, ça? Ah ouais, c'est ça, on est d'accord, c'est Châtelet de l'autre côté. Châtelet. Qu'est-ce que je fais là? Où sont les Halles? Ah, c'est bon. Rue Berger, là t'as des rues Coquillères, on est là. Et je pense que du coup, on est Coquillères. Jean-Jacques Rousseau, ok, on est là. Bon, ça m'est bien. C'est beau Paris en vrai. C'est beau Paris, moi je trouve. Je sais que les gens parfois sont. On est pile là, je pense. Avec l'avancée, ouais, on va guess là. Ok. Bon, ça met bien quand même. Un petit 5000 points, ça met bien, mais j'avoue, je me suis tilt là. Je me suis tilt bêtement sur les derniers, où j'ai fait un peu de la merde et je me... C'est exactement où j'allais manger le midi. Dealer, non, on a trop... On a trop merdé là. On a trop merdé pour flex là. On peut pas flex quand on vient de perdre 10 000 points, quoi. Ça, c'est pas possible, ça. Non, sur Paname, en vrai, je suis bien. Mais en même temps, enfin, après, c'est normal. Hein, ça, parfois, vous êtes choqués. Genre là, la National 7, moi, c'est un truc que j'ai jamais pris de ma vie, tu vois. Genre la National 7, si c'est un truc, tu vois, par exemple, que t'as déjà fréquenté pour aller en vacances, pour bouger ou quoi, c'est normal que ça te soit genre. Hyper rapide, quoi. Mais ouais. Pour la beauté du sport, va flex un peu. Non, faut que je régène mon chakra, là. Non, mais on peut encore les gars, on peut encore les battre, hein. Honnêtement, juste là, je pense que Paname, y a pas de... Paname, en fait, le souci, c'est que je trouve vite. Mais du coup... Ah, ça serait drôle, Paris en une minute. Ça serait bien de voir d'autres villes, quand même. Il n'y a pas que Paris en France. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs où... C'est un peu parfois les limites de GeoGuessr. Et c'est pour ça que parfois, genre dans le monde, par exemple, si t'as poncé GeoGuessr, je crois que GeoGuessr... On m'a envoyé une carte, putain. Mais en vrai, je suis désolé, je suis pas un assez bon élève. Ce qui fait qu'en fait, j'apprends que quand je suis avec vous, quoi. C'est en deux games en France. Là, c'est la deuxième. Ensuite, on fera Europe. Deux games, ensuite, on fera Monde. Mais genre, je crois que du coup, il y a...
genre l'Argentine, il n'y a pas. Ce qui fait que j'avais perdu contre toi la dernière fois, c'est que j'ai mis Argentine, c'était Uruguay. Je crois que Chili, il y a assez peu. Biélorussie, il n'y a pas du tout. Chine, il n'y a pas du tout. Tu vois, il y a plein de pays, en fait, où il n'y a pas. Je crois qu'en Afrique, tu as un peu de Nigeria, tu as genre par là, un peu. Je crois qu'il y a le nord du Maghreb, je suis pas sûr. Il y a l'Argentine ? Ah bah, on m'avait envoyé un truc où... Ah bah, ok. My bad sur l'Argentine, alors. Mais t'as pas mal de pays où il n'y a pas, donc déjà, ça te fait de l'élimination qui, par rapport à ce qui est Street View V. Si, si, mais il y a très peu. Ah oui, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je crois que... Non, mais si, mais en même temps, c'est logique. En même temps, t'as pas mal de terres où... Ici, ça a l'air compliqué, quoi. Et du coup, ouais, tu vois, en France, c'est vrai qu'on tombe assez peu dans des villes... Quand t'es dans une ville, t'es quasiment sûr que t'es dans Paris, quoi. Non, il n'y a pas Corée du Nord, les gens. C'est Paraguay qui est pas... Ah, c'est Paraguay, ok. Tu vas gagner. Non, non, mais là, au-delà de gagner, parce qu'en fait, c'est cool le côté défi, là, je me suis un peu déçu, on a fait une bonne série. En fait, il faut que je sois plus vif sur trouver rapidement à peu près la zone. En fait, c'est pas grave si tu fais des 4000 points. Si tu prends 900 points par 900, mais si tu fais un choke, genre à 3-4000 points d'écart, là, c'est chaud. Genre là, par exemple, j'avoue que j'aurais dû avoir Rhône. Après, Rhône, tu vois, en vrai, quand t'as juste Rhône, ensuite, on a eu la N7. Et une fois que tu sais, forcément, mais... Parce que bon... Ouais, Rhône. C'est quand même des enfoirés de faire payer le jeu. Bon, non, ils sont en galère. En fait, ils étaient en galère, ils allaient fermer, et maintenant, ils font payer le jeu. Mais je crois que c'est pas... Je sais même plus combien... Là, je me suis remis à GeoGuessr, parce que je kiffe bien. Et en fait, c'est un moment très détente qu'on partage. Ou maintenant, j'imagine que c'est encore un peu frustrant pour vous. C'est fini, les amis ? Yep. Ouais, bon. Alors... Yep. 5000 puntos. Allez. Xary aussi ? Ouais, la rue de la Coquillère, c'est vrai que je la connais, j'ai habité là-bas, moi. Let's go. Ah, j'ai fait 6 mètres, oh. Désolé, étoile, t'as été un peu naze sur ce coup. T'as fait combien, étoile? 7? Je fais 9 mètres. Ah, la merde. 7. Ah, les merdes. Putain, Paris, c'est trop bien parce que c'est hyper rapide, mais tu peux pas avoir d'écart de points. Claire, Paris, c'est le... C'est rapide, j'ai quand même galéré pour savoir où était le Louvre. Ah ouais? Non, mais je trouvais pas la rue, gros, la rue du Louvre. Je me suis sur en mode, elle est à côté du Louvre, mais elle était pas si à côté que ça, quoi. Moi, c'est Châtelet, j'ai couru. est-ce que vous êtes... Je suis chaud, gros. Ouais, je suis chaud. 3, 2, 1, go. Ah, merci, oh, Sushi, pour le sub offert. Tu vois, là, on va par où, là? C'est un 0-2, ça? C'est un quoi? Bon, c'est pas grave. On va pas s'entêter. Et ouais, non, en fait, c'est Google Maps qui a fait payer en fait les droits. Et donc, du coup, eux, comme ils ont beaucoup d'entrées, ils sont niqués. Et ils sont obligés de payer. Et donc, du coup, il n'y a pas sur la gendarmerie. Je me disais qu'il y avait peut-être, tu sais, genre gendarmerie 2. Là, c'est quand même pas mal. Regarde, ouverture. Là, on est quand même pas mal sur un... Communauté de communes Ardennes, rive de Meuse. Pff, je mets là en attendant. Mais Ardennes. Ardennes, c'est avec un S en fait. Donc je suis baisé quoi. Communauté de communes Ardennes, rive de Meuse. Non, c'est la Meuse du coup qu'on doit chercher. En même temps, il pourrait nous mettre plus simple. Hein. Tu vois, je me dis que ça peut être le coin un peu... Complexe sportif, bonne route, à bientôt. On est à Furet, quoi. Si je dis pas de bêtises. On est à Furet. Tu vois, ça pourrait être un peu dans ce coin-là. On va aller vers... On va descendre. Ah, j'ai envie de jouer en Paris une minute, là. Hôpital, rue Eugène Renard. Où sommes-nous? Ça a pas l'air d'être petit, hein, comme ville. 03, donc on est dans le coin un peu général du bâtiment. On est à Fumet. On est dans ce coin-là, hein, quand même. Hein. On est dans ce coin-là de... Pour moi, c'est genre un peu Vosges. Enfin, c'est pas Vosges, mais je vois tout dans les Vosges, moi. Il y a quand même un hôpital, quoi.
Il y a quand même un hôpital. Bon, on va voir du coup ce que ça croise. Pas de panique. Retombons pas dans un truc de panique bête. Voyons voir ce qui se passe. Parce que Meuse, ça me... C'est pas un... une rivière. J'ai, pensé à... j'ai vu Meuse, j'ai pensé à Meurthe et Moselle, tu vois. Pour dire le mec, quoi. Ah ouais, mais là, c'est Bourbier, là, on va descendre. On va descendre. Ils sont pas chauds de nous donner des indications, un peu, là. Ça ferait plaisir à personne, ça. On a l'air de... On a l'air, comment ça s'appelle, d'être... D'être quand même... Putain, c'est stylé. La Meuse, moi, je suis désolé, je suis en... Je suis en chien, là. Je suis désolé, je suis en... Là, ça commence à faire beaucoup, hein. 08. C'est Ardennes. On est dans les Ardennes. On est là. Maubeuge. Il y a une giga... Ok, c'est la Meuse. Putain, je suis désolé, je suis plus en confiance. Je vous le dis, mettez pas trop de pression parce que je vais être de plus en... On est à fumer. Je vais être de moins en moins en confiance, sinon je suis désolé. Je sais que je suis un peu un choker. Je m'excuse pour ça. Mais du coup, moi, c'est infernal. Genre, je fonctionne qu'à ça, moi. On peut peut-être se trouver l'hôpital. Ok, on est à l'hôpital, on remonte. Je pense que là, on est rue Eugène Renard. Si c'est à peu près ça, quoi. 40 secondes, hein, ça serait bien quand même de cliquer, là. Jeune Renard, et ensuite on est allé vers le complexe sportif. On est où là, bordel, putain? Rue Jeune Renard. Non, 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 un peu plus haut peut-être? Un petit peu plus haut, là, genre. Let's go. Pas facile celui-là. Putain. Ah ouais, non, je me disais que je connaissais. Ah, ouais, excuse-nous, père. Ah mec, excuse-nous, père. C'était chaud là. Là, c'était chaud, mais je suis revenu en forme. Tu peux pas dire que c'était chaud quand. Non, non, mais mec, j'ai eu ça genre à 50 secondes. Non, mais moi en fait, j'ai lu. T'as fait combien? J'ai fait 4992. Ah bah voilà, putain. En fait, j'ai vu le centre parti politique. Et dans ma tête, on était dans la région du centre. Et, du coup, comment tu fais 4992 du coup? Parce qu'après, j'ai vu la verdure et les montagnes. Oh, je me suis bourré d'un. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est impossible. C'est les Ardennes. Du coup, j'ai vu les Ardennes. Au début, je suis allé vers l'est. Et après, je suis allé vers les Ardennes. Et j'ai zoomé vers le vert et j'ai vu fumer. Putain, t'es trop fort, enculé. Quand tu choques, tu fais 4992. Non, 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 c'était pas du choc. Mais c'est du clutch parce qu'à 20 secondes de la fin, je l'avais pas. Ah putain, bien joué. Putain, je me suis gouré de rue. Je suis abasourdi. Ah mais oui. T'as fait combien, genre 80 76 mètres, ça dégoûte. J'aurais pu l'avoir, je me suis couru de rue. Au moins seulement possible. Mais le numéro de téléphone, ça carré de ouf. Ah ouais, ah bah moi je suis tombé parce... devant l'hôpital, parce gros, que... c'était marqué. Parce qu'en fait, c'était 03, donc vu que c'était 03, c'était forcément dans la partie nord-est, tu vois. Et moi au début, quand j'ai vu centre dans le truc politique, je me suis dit, mais attends, c'est centre, mais du coup, si c'est centre, je devrais voir fumer parce que c'est une grande ville. Du coup, après, tu vois. C'est pas une si grande ville que ça. Hein, ouais. Non, mais c'est quand même ville avec hôpital et tout. Vous connaissiez la Meuse? Putain, je connaissais pas moi. Enfin, ça me disait un truc, mais ça a mis du temps à venir, quoi. Ouais, mais j'ai pas vu le de Meuse, moi. J'ai juste vu 03. Je me suis dit, je vais faire le carré de haut en bas et je suis tombé sur fumé parce qu'il est en haut. Hein. Quelle chatte. Hein. Bah, ça fait partie du jeu. Hein. Franchement, la chatte, mec, ça fait tellement partie de Jogesser. Ouais, de ouf. Parce que c'est un truc que tu provoques aussi. Quand tu sais, quand tu te poses des questions et tu te dis, ah ouais, attends, c'est peut-être là et tout. Ouais, voilà, j'ai rien provoqué, hein, je vais pas te. Non, c'est de la pure chatte, mais ça arrive. Hein. Tu l'as provoqué, mec. Elle part où? Après, c'était de la pure chatte, mais j'ai quand même réussi à rater la rue. Enfin, j'ai raté l'intersection de la rue, donc je suis un bon bouffon. J'ai perdu 2 points. Bon, après, 2 points, ça ne change rien. J'ai fait 250 autres. Ouais, en vrai, les petits points de détail, c'est genre Balek, quoi. Attends. J'ai pas vu Charleville-Mézières. Sur les chocs des autres. Charleville-Mézières.
Putain, par contre, PA, t'as mis le poids dessus, quoi. T'étais dessus. Ouais, en vrai, non, j'ai trouvé à la fin. Mais moi, c'est mon souci. C'est que souvent, je fais des 5000 points. Mais soit je suis très, très bien, mais ça sert à rien. Soit je suis. Tu sais, je fais un 1002, quoi. Tu vois, je fais un 1002 ou un 2005 et ça c'est fait la que France, ça me casse. Ouais, c'est le truc de la France, clairement. Ah non, c'est la fin, là, pardon. Ouais, juste enfin, 19789. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bien, ouais, Zav, là. Ouais. J'ai choke hard le truc d'avant là. J'ai fait 100 points, 200 points. Pas un fleuve. Ah, c'est quoi? C'est une rivière du coup? Parce que c'est gigantesque. Oh, joli. T'as une étoile, t'as fait 24 821. Putain, ouais, bravo. C'est mon record, je pense. Bravo, mec. Fait ça. Ah, merci. La Meuse. Parce que j'avoue que depuis tout à l'heure, je vois des bons scores, mais j'étais en mode putain, merde. Ah, c'est genre où je suis un matin. Est-ce que c'est ça qui. C'est... J'aime bien ce truc là d'affrontement, entre guillemets. Ça bien, te donne un petit truc en plus, quoi. Trop bien. Mais tu sais, c'est cool parce qu'en plus, ce que j'aime trop dans ce jeu, c'est que t'apprends trop de tes erreurs. Genre, tu fais une erreur parce que tu connais pas un endroit, et après, ça reste dans ta tête en mode ok, putain, je savais pas où c'était la Meuse, ou je savais pas où c'était les Ardennes, ou je savais pas où c'était l'Ardèche, tu vois. Et là, t'es en mode ok, prochaine fois que je tombe en Ardèche, hein, tu vas voir. Hein. C'est trop cool. Quelle idée de jouer à ce genre de jeu avec étoile. Quelle idée. Déjà, jouer à un jeu avec étoile, faut aimer perdre. Mais alors. Non, mais gros. Ouais. Ah, t'es fort, putain. Mais c'est ça, ça donne envie de jouer. On fait quoi? On se fait étoile? Oh, on se fait étoile. Ça part? On se fait Europe? Europe, mec. Hein. Europe, c'est trop bien. Ouais, go. Europe, c'est vraiment trop, trop bien. Regardez bien les routes en Europe. Hein, parce que, en fait, les routes dans les autres pays d'Europe. C'est Europe, moi, plus... j'aime bien, moi. Ouais. Bah ouais, tu m'avais cassé la gueule. J'ai jamais Europe, fait Europe. Europe, en vrai, c'est cool. Genre, juste Biélorussie, c'est pas Street View. Il y a quoi d'autre, étoile? Minsk est Street View, la Russie est Street View dans sa partie occidentale et pas dans le reste. Et sinon, t'as à peu près tous les pays c'est d'Europe. C'est ça. Et en vrai, c'est la langue et GL, quoi. Le cyrillique et tout. La langue. Et genre, Xaris, tu tombes dans les pays nordiques, genre la Finlande et tout. Regarde bien le numéro des routes. Parce qu'en fait, les routes sont très très bien indiquées dans les pays nordiques. C'est-à-dire que si tu vois un chiffre, par exemple, une route en 800, et ben, ça veut dire que ça va être vers le nord. Parce que tout en bas, c'est 100. Au milieu du pays, c'est vers 500 et tout en haut, c'est 800, tu vois. Du coup, tu te mets trop bien. Par contre, okay. Si tu vois genre 500, dis-toi tout de suite que c'est pas la Finlande. Et si tu vois des 600, ouais. Ça peut être Portugal. Mais 400, par contre, ça sera jamais Roumanie. Ok. Non, je disais full merde. Mais je me suis bien rendu compte, ouais. Allez, allons-y. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. 3, 2, 1, go. Europe, ça peut être France quand même ou pas? Ouais, ça peut être France. Ça peut être France, okay, peut être Belgique, ça peut être. Peut être tout quoi. Il y a écrit puceau ou quoi sur le truc là? Pucase? Ah, ça fait plaisir ça. Roman Lazi! Bienvenue en Roumanie. Sur la route 28, vous verrez des tonnes et des tonnes. 28, ah, je m'en fous, je vais me faire tout le truc. Hein. Ça, c'est une classique, mais. Alors, 28, 29. Est-ce que les Roumains ont pensé à bien? Il y a 28 A là. Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire un 28? Parfait, ça. Et du coup, 28, ça va jusqu'où ça? Yazid d'un côté et Roman de l'autre. Donc, le 28, c'est la route qui fait tout ça. Ok, parfait. Et on est à 56 km de Yazi et 30 km de Roman. Donc du coup, on est techniquement là à peu près, quoi. Si on considère que ça, c'est 30 et ça, c'est 50. On est peut-être même là, plus. Voire là. Ok. Et Crivesti est à 3 km. Oh bah là, on nous l'offre, là, celui-là. Ça fait plaisir. Crivesti est à 3 km sur la 101. Et la 101, comment on prend la 101? Bah, Christetti. Comment tu me... km, ça veut dire qu'on est à Târgu Frumos? M'étonnerait qu'on soit à Târgu Frumos comme ça, là. Je fais ça. Ça, c'est 280 A. Moi, ça me perturbe ce genre de truc. Du coup, je peux y passer 20 ans.
3 km, je dirais que c'est à peu près ça quand même. Là, c'est 96. Et là, c'est combien quand tu zoomes? 92. Du coup, 101, c'est où? Tu vois, quand tu fais ce genre de truc. Ah, mais là, je suis en situation de... Je perds du temps bêtement, là. Après, j'aime bien. Il faut savoir se faire plaisir. Bon, baladons-nous un petit peu plus. On a 2 minutes 30 encore. Eh bien, ça fait du vin, Roumanie? Attendez, je reviens. Je reviens à l'endroit de base. Je vais donc au sud. Au sud, je tombe sur cette fabuleuse vue de Yazi. Et là, on me dit quoi? Eh ben, 101. Mais c'est fou, ça. Hein, je vais au sud. Je tombe sur la 28. Et on me dit 101. Pour Christesti. Ça veut dire que c'est peut-être ça, là. 94. Ça veut dire qu'elle est plus à droite. Excusez-moi, là, je vais... C'est peut-être un peu déplaisant, là, mais... Je comprends pas ce bordel. 96. Ça me casse les couilles, là. 92. 94, 91. Je capte pas, putain. Il est où, ce putain de 101, là? Sachant qu'on est sur la 28. C'est 2B que je vois depuis le début, là? Jure. Attends, c'est 2B que j'ai vu ou c'est quoi, là? Oh là là. Oh l'embrouille. 28. 28 et moi, je vois 2B. Comment ça, 28A? C'est 28 ou 2B, ça? Cette merde, là. Non, c'est 28. Moi, je suis en train de craquer. Putain, ça a augmenté le son tout seul. C'est pas mal, ça met une petite ambiance un peu détente. Oh, je vais perdre des points bêtement. Non, bah, je pense qu'on est là, mais... J'avoue que je ne comprends... Pour être honnête, je ne comprends pas. Sans un. Crivesti. Mais quel con. Il y en a deux. Et on est pile à la croisée. On est pile là. Oh le con, putain. Il y avait Chris et... Oh, il y a Christesti et Crivesti. Oh, bien joué. Ouais, bien joué pour les 5000 points. Vous avez fait combien? 4700. 4850. J'ai failli me planter entre les deux petites villes. Mais ça, c'est cul. Ça bien repart, joué, ça repart. À l'assaut de la Roumanie. J'ai trouvé le panneau, mais j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé à la dernière seconde, quoi. Donc, mais par contre, 5000, quel crack. Vas-y, 3, on peut lancer. 2, 1, go. Mec Lee. Ah, je suis désolé, je suis trop précipité parfois. Excusez-moi. On fait 5000 quand même, c'est cool. J'imagine que ça a pu vous tilt un peu. Et là, on est... ça, c'est du... Oh, c'est du quoi, ça? Qui a les E, déjà? E6, E22... Tout le monde a les E, c'est les trucs européens. Mais déjà, c'est pas ça. Je crois qu'on est peut-être en... Ok, 40-35. Ok, on est en Suède. Confiance totale. Confiance totale, honnêtement, pour... E45, E14. Là, c'est confiance totale. Là, je te dis, mon pote... E10, clac, E12, E45. On va le savoir très vite, de toute façon, si c'est pas ça. E16, E45, E45. E6, E20, E22 E22. E22, maintenant il y a 40 et 35. 40, 35. Donc du coup, si on est à peu près dans la même... 35. Ok, on est dans ce coin-là. Ok. On est dans ce coin-là. Là, il y a du parking.
On est où là? Ce serait propre d'avoir. Oulala! C'est ce genre de nom ça? Skabar machin là? Stankelen. Oh, ça a pas l'air d'être ce genre de ville. Est-ce que je suis dans le bon pays là? Excusez-moi. Stankelen, Skepstone, Gamleby. Y a pas les A bizarres, hein? Si, y a les A bizarres? Si, y a les A bizarres. Et pourquoi vous ne mettez pas Stangelen quelque part, vous? Attendez, moi, est-ce qu'on attend 2030? Peut-être fait un peu de la merde, là? Pour moi, on est quand même là. Hein. 40, 35, 22. Enfin, il y a trop d'infos pour que ce soit pas le bon pays et que les deux pays aient les mêmes bails, quoi. Ça m'étonnerait fortement, ça, quand même. Bon, j'ai vu un panneau, mais... Technique, quand même, hein. C'était pas Skeps Garden, là? On a reconnu aucune... On n'a rien reconnu pour l'instant, hein. Ça annonce rien de ouf quand même, hein. On est en méga choke là. Putain, ça me ferait chier, mais en même temps, je reconnais rien. Pourquoi? Est-ce que je suis si persuadé que ça là? Oh, ce serait improbable, la probabilité serait folle quand même. Junk machin là. Centrum. Faut pas que je me barre du centre. 1 minute 20. Vas-y, on se concentre. Non mais ça c'est que des informations genre 100 mètres, c'est pas des villes ça. Ce qui nous intéressait c'était genre... On est dans quel putain de bled là? On est dans quel bled là en fait? Pas mal ça comme info. Ah bah pas mal, putain y'a que des... Y'a que du lac. Prinsgatan, Strand, ça c'est que des rues ça. Il y a du lac partout. Je dis pas mal. C'est quand même du gros lac. Hein. C'est quand même du lac très très fatos là. Hein. Genre du fat fat lac quoi. C'est où j'ai 40? Je choque. Putain, ça a l'air mignon en plus. 35. On a Gamleby. Vas-y, j'ai all-in sur Gamleby. On est plus bas, putain, fuck. Vastervik. Bon, j'avais bon. Putain, je me suis trompé de... Ah, j'ai merdé. J'ai voulu trop me précipiter. Bon après ça va en vrai. Tu mets plus ta map en gros et tu cherches moins. Pour info, en roumain quand il y a une cellule sous le C, ça se liche. Ok. J'avais le temps. Il y avait Piper's Car. Oh, y avait ça en est où les gars? Ouais j'ai troll. J'ai... 21 km, j'ai eu tous les trucs mais j'ai troll aussi un peu. Moi je trouvais pas, ouais. 59, c'était trop dur. T'as fait combien toi, Toll? 28. Ouais c'était, je sais pas, j'ai mis à Gotebi moi. Gamleby. Je trouvais pas Piper's Guard. Piper's Car. Il fallait tellement zoomer. Je trouvais pas. J'étais en mode. C'est où? Ah ouais, j'avoue, putain. Ouais. Moi en fait, j'ai eu E22, 35, 40. Donc ouais, j'ai eu la zone et ensuite j'étais en mode. Et à un moment, j'ai eu peur, genre en mode. Attends, je me suis pas planté de pays là. Exactement pareil. En fait, je me disais. Non, par contre, le pays. Généralement, quand tu vois écrit Soder dans un pays, ouais. Ça va être quasiment tout le temps la Suède. Tu sais, ça fait penser au tennisman Soderling. Tu sais, celui qui avait. Ouais, c'est vrai qu'ils en foutent partout. Mais tu sais, ouais. Genre, j'avoue, comme tu sais, je voyais que des villes qui étaient. Tu sais, les panneaux, j'étais en mode, ouais. Attends, c'était pas ça. Ah, moi, je cherchais ouais. Gotland, mais en fait, Gotland, c'est l'île qui est à côté. Ouais, clairement. Oh, ouais, bah non. Svensbank, c'est suédois. Ok, d'accord. Terminé. Vas-y, parfait. Let's go. 3, 2, 1, go. Bon après on dit j'ai troll et tout mais ça reste quand même très propre. Hein. Je leur gratte des petits points. Pas de quoi changer la game mais
C'est rigolo ça comme, comme paysage là. Mais ça reste quand même pas mal. Hein. En fait, c'est très permissif l'Europe. Je trouve, dans le sens où t'as le droit quand même de te planter, quoi. T'as le droit de te planter. Alors là, par contre, là, les gars, peut-être louper un panneau ou deux. Golden Garden Ogi. Ça a l'air mignon, ça. C'est du moins plus. Non, on peut pas. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ok, go. En route, du panneau. Ah, parfait. Tavan coûte à tous. Personnellement, je suis en situation de... Ouais, Tavan coûte, hein. Là, on est clairement sur un Tavan coûte, y a pas à dire. Non, j'ai dû me regarder à deux fois, quand même, pour être sûr qu'on était bien sur un Tavan coûte. Mais là, on est quoi? C'est Ukraine, c'est Biélorussie, du coup, on sait que c'est pas fait. Il y a toujours la Serbie qui est en cyrillique aussi. Moldavie, je suis pas si sûr. Et on a Tavan coûte. Tu vois, en fait, le truc, c'est que là, je peux pas héber Tavan coûte à nouveau. Hein. Tabakit. Tavan coûte, Tabakit. Ah, une petite information là, un petit Kiev de 100 bornes là. Allez. Bon là en vrai faut cliquer fort. Ogi Golden Garden. Ça m'étonne trop de voir un panneau. Bloca. Ça m'étonne trop de voir un panneau Golden Garden, genre en mode en anglais. Dans, ça a pas l'air d'être la campagne non plus, ça a l'air d'être un coin un peu pavillonnaire et tout. Après, il nous reste 2 minutes 30 quand même. J'avoue que je pense pas que j'aurai des points sur... Enfin, pas des points, mais le... Tu sais, il me faut en fait genre des gros croisements, quoi. Là, c'est Tavan coûte à nouveau, là. Putain, c'est fou, là. Hein. Là, je dois avouer que... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un humain, là. Oh, c'est un agriculteur avec... Il se relaye. Bon, on a perdu 30 secondes, hein, mais... Mais ça me gêne pas. Alors, on va peut-être aller dans l'autre sens, non? Mais en même temps, l'autre sens, c'est Tavan coûte, quoi. Hein. Juste, là, la question, c'est comment... En fait, il faut que je me retrouve plus sur des chemins à autoroute. Peut-être sur des grandes routes, là où il va y avoir du croisement. L'idée, c'est grand croisement, grande indication, tu vois. Et assez peu, je me retrouve dans ce genre de bail. Souvent, je tourne en rond et... tu vois, là, c'est de la... C'est l'équivalent départemental. Ça sert à rien, ça. Ça a l'air quand même d'être... Merci, Dynasty, pour le 7e mois. Ça a l'air d'être quand même... Là, peut-être, un petit truc. Pff, ah ouais, là, je suis en sauce, hein. Vous sortez de la ville, ça, c'est... Parle-moi, toi. Ah, après doucher, lieu de volo. Mergès. Ah, mais là, j'avoue que... Shakhtar Donetsk. Bulgarie aussi, c'est un peu ça. Ouais, là, on est dans... Il y a beaucoup de villes un peu qui se succèdent à ce moment un peu chiant là. Je fous ça où Chute de l'Ukraine. Comme ça, si jamais c'est Bulgarie, on est un peu safe. Enfin, un peu safe, ça veut dire quoi? Ouais, c'est pas ça qui va changer grand chose. Hein. J'ai foutu ça en Bulgarie, merde. Ah, c'était Serbie. Et toi, il a mis ça en Bulgarie. Ah non, c'est Xav. Xav.
On a mis ça au même endroit quasiment. Je... T'es vraiment... On est vraiment la Team Pax. Hein. T'as fait quoi, Étoile? J'avais mon point en Serbie jusqu'au dernier moment. Et puis j'ai bougé au dernier moment et je suis allé en Ukraine. Ah, t'as eu combien? J'ai 1362. Ah ouais, putain, moi j'ai hésité, Ukraine, Bulgarie, mais c'est vrai que moi j'ai vu, enfin il y avait un panneau anglais, on m'a dit, là on vient de me dire ça dans le chat, mais... Dommage. Genre, il n'y a qu'en Serbie, quoi, où il y a un peu d'anglais. Ah non, j'avais mis Tchéquie. Ah non, my bad. Non, en fait, non, j'étais une merde. Non, je pensais que j'avais mis Tchéquie jusqu'au dernier moment, c'était Serbie. Bon, ouais, mais dans ce genre de truc, faut bouffer du kilomètre de ouf, non? Faut... Ah, clairement, là... C'est chaud, là, hein, putain, parce qu'il y avait plein de petits villages qui s'enchaînaient. Par contre, ça a l'air mignon, la Serbie. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mignon. Bon, je sais pas. Hein. Non, mais c'est les terres, quoi. Tu sais, c'est les terres un peu... Non, je me suis dit, il y a des panneaux avec trois langues, on doit être à côté d'une frontière, mais je me suis gouré de pays et de gouré de frontières, quoi. Ah, j'avoue, putain. Moi, je me suis mis en Bulgarie à côté de la Turquie, parce que j'ai l'impression que c'était du... Là, je suis un bouffe. La troisième langue, mais pas du tout, en fait. Ah, j'avoue, pas con. Bah, pas con, mais 1000 points, quoi. 1800, donc... Ouais, pareil que toi, j'ai 1801, je suis à ta gauche. Genre, j'ai fait pareil que toi. Ok. 3, 2, 1, go. C'est le pin. Quoi? Ah, ça a bugué? Ouais, ça a bugué. Bah, go skip. C'est un point bugué. Ok. On refait? Du coup. Ouais, bah, go skip, ouais. Appuyez sur skip. Et on fait play next round en 3, 2, 1, go. Ah ouais, du coup, on aura un point de moins, quoi. Bon, c'est pas grave, Osef. Allez, let's go. Bizarre, ce petit bug. Tu vois, ça, par exemple, tu vois, t'as une info de malade, là. Barry. C'est l'Italie, ça, non? C'est pas Italie, Barry? Viens là, toi. Viens là. Si on va tout droit, on va à Celiamar. SP 99 et 94. SP 99 qui est juste là. SP 99 qui a mis bien là. La question, c'est Celiamar Casamassima qui est juste là. Où est Celiamar? Celiamar qui est là. Si on va... Donc on remonte, on va plutôt vers l'est. Dis-moi, pourquoi je parle comme ça? Ah, je sais pas. C'est la S100. Si je vais tout droit, on est sur la 99 et la 94. Ah, tu sais. 99, 94. J'ai bien l'impression qu'on est là. Il y a la 240 aussi. Qu'est-ce que tu me fais? On sort de Noir Cataro. Rutigliano. Capurso. Pardon, excusez-moi. Bah on est sur un rond-point. Moi, je miserais bien sur ce rond-point, hein, les gars. Je vous le dis. Hein. Bien l'impression qu'on approche de ce petit rond-point. Et on va à l'ouest. C'est très mal limité. Hein. C'est assez mal limité, je suis d'accord. Très mal limité. Assez mal limité. Ouais. Très, très mal limité. Qu'est-ce que c'est que ce rond-point là? Bah, c'est clairement ça. Hein. Très très mal limité. Et là il y a la SP. Oh, il y a la SP 100 en fait. Qu'est-ce que je fais là? Et la SP 100 elle est là-bas? Ah non, mais pour la SP 100 faut passer par la 240, non? Tu vas où à Capurso toi? Ouais, je pense qu'il faut la 240 pour passer. Attends. Eh ouais, stationné servicio là. On est exactement là, mon pote, en fait. Je m'y connais dans les stations-service. On me l'a fait plus, celle-là. Juste sur votre gauche, la Strada Provinciale. Sur votre droite, je vous présente l'OP Terra di Bari. Ah, juste là. Ah ouais, j'ai bossé quelques années en Italie. C'est toujours obligé d'arriver ce moment. En même temps, c'est pas... Bah putain, il y avait ça de l'autre côté. Ah ouais, attends, eh oh. Eh bah là. Eh mec, tu te fais pas chier là, mec. Et il y a une autre station service. Mais c'est fou, ça. Et c'est quoi, ça? C'est IP, là? Pourquoi c'est IP, ça? C'est pas SO? C'est SO ou c'est IP? Ah bah là. Oh bolet. Petit terrain de foot.
Non, mais je pense que concrètement, on est là, quoi. Je pense que concrètement, on est là, et c'est ce que j'ai dit, quoi. C'est que je suis là, je pense. Voilà. On est là. Du popo du puntos! Bon. On a eu les 5000 points. Non, mais souvent. Bon, après, là, ça va. Mais tu vois, j'y arrive. Esso égale essence. C'est pas un truc d'essence? Esso, bah, c'est essence, non? Ah, IP à côté, putain. Putain, avec un italien plutôt sicilien. Voilà, un italien, on le sent un peu, un peu plagié de certains films. Go flex. Ah, j'ai plus la force là. Ton imitation m'a régalé. Il s'appelle Mozzarella Bufala, il vit là-bas depuis 3 ans. Non, pas mal, hein. Non, honnêtement, je pense que j'ai eu un bon quota de 5000 points par contre, tu vois. Genre, je trouve que j'ai eu un italien très parisien. Ouais, un peu, légèrement. Je dois avouer légèrement. J'ai pas mal de trucs de 5000 points. Mais juste, ce qui me, il faudrait que je règle mes 2-3 coups, je suis vraiment à côté et genre je fais de la merde quoi. Dans l'ensemble, il y a quelques trucs où j'ai fait vraiment de la merde. Mais sinon, c'est 5K ou rien. C'est un peu ça. Soit c'est 5000, soit c'est 1005. Les citations essence. Non, mais en plus c'est IP, hein, c'est IP. Regardez, mais juste, faut zoomer et t'as les deux. Après, j'avoue, Barry. Non, mais Barry, c'est connu, non, quand même. Comment on fait un nouvel onglet? Comment j'ouvre un nouvel onglet sur. Juste avec les raccourcis, parce que j'ai la flemme que vous voyez le lien, s'il y a moyen de. Même si les gens font pas Ah, ça. j'ai ruine, je suis resté trop longtemps sur le premier panneau. Je suis resté 3 minutes sur le premier panneau. Bon, ça a pas mis bien quoi. Yep, t'as fait combien, Xavier, du coup? 4008, tu fais. Ah, Barry, ça a mis bien. Ouais, Barry, ça a mis bien. Ouais, en fait, je pensais que c'était plus loin. Je pensais que c'était beaucoup plus loin de. Enfin, là où on était, je pensais que c'était beaucoup plus T'as loin. fait combien? Je voyais pas Le les. max étoile, toi? Non, non, j'ai. En fait, je pensais qu'on était à Paris. Ah, Barry même. Du coup, ouais, je pensais qu'on était à Paris même, du coup j'ai regardé avec la boussole et j'ai essayé de trouver la route et je trouvais pas, du coup j'étais un peu plus loin. J'ai fait Ouais, ok, je comprenais pas les routes en fait. J'ai fait Ah. 4940. Les routes, je voyais que DSS, j'étais en mode mais elles sont où les SP et tout, et en fait il fallait zoomer quoi. Bon, c'est Je fais boussolette un peu. Boussolette! Ouais, bah moi Clairement. j'ai pas été très bon, mais bon, c'est la vie. Combien ça nous fait tout ça? Aïe aïe aïe. Ah ouais, mais on a fait un truc qu'on n'a pas fait. 16 725. 1057. Exave, hein? Tout ça va. Oh, le petit espoir, le petit 900 points grattés au boss. Par-ci, par-là. Bon, allez, Ouais, je... un Europe et deux mondes. On est reparti, hein. Ça part, ça part. Ah, j'ai pas fait 20 000 puntos encore. Terrible, ça. Ouais, t'es chaud quand même. Ouais, là, mais là. L'écart des 5000 points, c'est trop chaud à. Non, t'es quand même Je m'en trop veux, fort. Xav, putain, je m'en veux! T'es dispo, mec, après-demain pour un petit PUBG, une soirée Zilan? PUBG? Non, je. Je sais pas, non, pardon. En fait, GeoGuessr me rend fou. Genre, au bout d'un moment, je t'assure que voir trop de trucs, être dans ma bulle, C'est vrai, ça me. c'est. Tu sais, avoue, ça te lobotomise un peu quand même, tu vois, Je commence à avoir Clairement. mal aux yeux, là. Ah ouais, c'est. T'as fait la room là? Bah, on est qu'à la moitié, mec. 3, Ouais. 2. Attends, je suis pas Ah, dedans. excuse-moi, excuse-moi. J'avais pas vu. Oh, la peur bleue que tu nous fais. Non, mais. L'abus total, vas-y, go. Attendez, juste une sec. Oh, mais une sec, on a Go, pas une 3. sec là, Vas-y, oh! 3, 2, 1, go. Ah, Ah, j'y mais c'est chez moi, gros. Oh, mon Xav. On est où là? Vas-y, arrêtez de flouter vos panneaux là. On est en pleine. C'est quoi ça? C'est le paga, ça, j'en connais là. Putain. Eh ouais. Alors celle-là, mon pote. J'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme de partir dans une histoire sur cette vache, d'où elle venait, de sa provenance. J'y ai pas cru dès le début. Je te le dis, j'y ai pas cru, j'ai abandonné, mais. Mais là, ça fait de la salade, là. Ça fait de. Il y a de la vigne, il y a de la salade. J'ai comme l'impression que. Hein? Non, en fait. Alors, on n'est pas homologué là-dessus. Il y a beaucoup de briques, hein. Beaucoup de briques étonnants. Pays-Bas?
Qu'est-ce qu'ils écrivent là-dessus? C'est français? Jure. On est en France? On est où? Oh, on n'arrive pas à vous lire, putain, ça c'est Pays-Bas, ça. C'est Pays-Bas, je le sens. Oh, lui, il a deux caisses. Putain, ça se régale. Ça, bon, allez, vas-y, on essaie de faire un... J'ai pas fait 20 000 une fois, quand même. Oh. Oh, ben... Oh, mon vélo! Je sais pas si c'est vraiment... J'ai ses rênes. Tongers. Ce fameux GCRN. Boum. Boum. Pas de GCRN dans le coin. Breda. Ah, ils sont... Oh, bah là, c'est assez de la route, ça. Hein. Ça vous a pas déçu, quand même, le Bourville. Oh, Cortesem. Me chauffez pas, hein, par contre. Passard. Ouais, bon bah. Hein. Ah, Cortesem, hein, au final. On est clairement sur du Cortesem, là. Il n'y a pas à dire. Je vais au sud. Putain, il y a de la caisse, là. Hein. Eh bien, là, il y a de la caisse. Hein. Ça, je peux te dire que... Et on est à Tongeren, hein, ou Overepen. En fonction de comme tu le prononces. Ça a l'air très, très bobo, ça. Hein. Là, on suit une petite Porsche Cayenne. Pa. Ça m'étonnerait pas qu'il revienne d'une grosse ville. Typiquement, Berg-Tongeren. Typiquement. Je suis où là? Mais on est. C'est écrit comment chez les Flamands, là, en Belgique du Nord? La Belgique du Nord. Elle est toute nouvelle. Pas un truc de... Ah oui, en effet. Oh là là, eh bien, beaucoup plus petit, merci. Alors, Louvain. Alors, qu'est-ce que vous foutez ici, vous? Moi, j'ai une réticence envers les Flamands, alors que je les connais pas, tu vois. C'est des gens super, on va savoir, et je sais pas pourquoi. Toujours eu l'impression qu'ils en voulaient à... aux Belges, aux Wallons. Or que non, pas du tout. Le fait de pas se comprendre, ça aide pas. Lille, ils nous ont pris ça. Ah ça. Ça me... Alors, Nerepen, Tongeren, Hasselt. N20. Oh, merci. Dieu merci, je commence à re-aimer les Flamands. Je suis désolé, les Wallons. Ils ne me comprennent pas, mais... Ah putain, N20, par contre... faut pas hésiter à zoomer, quoi, hein. Eh B 20 secondes. Ce serait temps de zoomer, en effet. Hasselt. Hasselt, 15 bornes. Hasselt, 15 bornes au sud. Du coup, je remonte un peu. Boum. Clac. C'est pas là du tout, en fait. Sachant que c'est de l'autre côté. Donc, c'est au nord, en l'occurrence. Le plouc. Hop. Tengeren. 15 bornes, c'est pas à côté, quand même. Hein. Saint-Tron. Terreken, je me suis concentré sur le mauvais truc. Cortesem. On n'était pas exactement à Cortesem, non? Ah, je fais 965 quand même. Oh bah j'aurais jamais eu ça. Ah, j'ai CRM. Ah bah il a choisi l'autre, c'était plus près. Ça me disait un truc, Cortesem. Ah là là. Alors ça fait quoi? 4965. T'as choisi GCRM, j'ai choisi Cortesem. Concrètement. Moi, j'ai choisi... comment c'était quoi la ville? Tongeren. Et puis, je suis allé un peu au-dessus, au pif. Et voilà. Et t'as fait combien que ça? 4 km. Bien joué. Propre. Bien joué à vous, mesdames et messieurs. C'est où, Tongeren? Nous étions en Belgique. Putain, moi, je pensais que j'étais... Ouais, je pensais qu'on était en... Pays-Bas. Ouais. Pays-Bas, et puis... J'ai vu Pays-Bas, après, j'ai vu que les routes, c'était pas des N. C'était des... Enfin, c'était des N, mais des N en jaune. Très... Ouais. J'avoue que moi j'ai vu un point BE qui m'a mis assez bien.
Ouais, non, j'ai pas vu de point BE, mais bon, après la langue était assez facile quoi. Moi en vrai, j'ai vu les villes et ensuite j'ai vu Beljan machin. Beljan, ah, un truc pas Beljan. Jesseren, hein, quelle grave erreur, j'ai pas trouvé Jesseren. Ouais, Jesseren, ça m'était bien, mais j'ai pas vu. Vas-y, pardon, let's go. Non, c'est moi. 3, 2, 1, go. PA, le style des maisons indiqué direct qu'on était en Belgique. Ouais, je sais pas. En fait, ça m'a fait un peu bizarre parce que malgré tout, ils sont plus ordonnés, les Pays-Bas. Et ils ont des vaches. Pas sûr qu'ils aient des vaches, hein. Possède pas dans tout le pays. Qu'est-ce que tu nous fais, toi, Pistachio, là? Ça passe pour cette fois, allez, roule. Ah, oh, ça c'est bâtard, ça. Ça, c'est bâtard, elle pourrait me... Ouais, bien sûr qu'ils ont des vaches. L'Andalouse, comme on l'appelle. Ah là là. J'ai cette chanson de Kenji Girac en tête, mais comme je connais rien... Je suis obligé à chaque fois de... Ça casse les couilles à ma meuf. De temps en temps, je fais des tirades. Et j'arrive en mode... Ah, l'Andalouse ! Aussi belle que jaloux ! Du coup, bon, bah, comme elle est pas là une semaine, vous allez subir un peu ça. 940 jaunes ! Choix étonnant. Surtout quand on va vers le sud. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas du tout de trouver morceau. Un morceau ! Un morceau, ma douce. Fin de morceau. Ça fait chier. Hein. Morceau, là. Comment ça nous emmerdait. Hein. Très beau, par contre. Hein. C'est clean, c'est bien tondu. Y'a rien qui dépasse. On est là. Boum. Sortie de morceau. C'est quoi, morceau? C'est... Ça avait pas l'air d'être du full 950. Tiens, pourquoi on checkerait pas ça en fait? Morceau, c'est quoi? C'est un peu du. C'est un peu du croate, hein. Mélangé quand même. Mélangé. Est-ce que ce serait pas. Hein? Un peu de serbe? Eh. Toi là, hein. Non mais 950. Oh la vache! Oh putain! Oh putain de bon Dieu! Oh dans quoi on s'est foutu là? Bon attends, je me bouge. Non mais après, il y a deux mondes encore à faire. Mais c'est fou, c'est un marathon hein, ce truc. Hein. Là, on est à un peu plus de la moitié. Mais c'est vrai que faut que je prenne du café moi. Là, ça va, celui-là en plus, je suis à choqueté de la plaque là. Je me sens pas du tout bien dans ma recherche. Aurillac. Ah, mais ils sont très sobres quand même sur les noms de... J'ai cru qu'il y avait un panneau, mais non, rien du tout, là. C'est un étendoir. Pas sûr pour le café. J'ai faim, en plus. C'est ça aussi. Je me nourris pas bien. Je me nourris pas bien avant les grandes compétitions. Forcément, je suis pas là, je suis pas au max. Je réponds pas présent. Boum, boum. Allez, claque, on accélère. Tout à l'heure, on m'a dit que quelqu'un est passé sur le stream d'étoiles et sentait le clic plus fluide sur GeoGuessr. Vous me direz un peu comment vous sentez le mien. Parce que justement, sur la téléportation, il y a un peu d'ombrage, un peu de... C'est le détail, hein, c'est le détail, mais on peut aller chercher quelques points là-dessus. Hein. On peut aller chercher peut-être mise à jour Chrome, peut-être télécharger Safari pour l'occasion. Peut-être télécharger Opera qui peut être plus performant sur du GeoGuessr. Je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires. On s'en parlera, bien sûr, à l'entracte. Vas-y, on est où, là, putain? C'est bon. Je vais de l'autre côté. Ouais, c'est décidé, choix fort. Étoile, il est trop fort. Je sens qu'il va... Il va me dire une dinguerie. Genre, sur l'arbre. Ah, c'est un bouleau mort. Le bouleau mort, c'est vraiment que au nord de la Serbie. Comment? Comment ça? Il est trop fort, ce mec. À tout, il est trop fort. Je suis jaloux. Je suis médiocre. Et tu vois, quand on est médiocre, on est jaloux. C'est terrible, l'espèce humaine. Nul. Ah, quoique, peut-être. Alors, si jamais... Attends. Là, mon pote, c'est clutch, là. Là, c'est clutch, là. Hardvihiz. Allez, c'est bon. Pas sûr qu'on soit là. Hein. Y a pas de 950 ici.
Est-ce que l'Ukraine a ça? L'Ukraine n'a pas ça. La Bulgarie? Ok, je m'en bats les couilles, je fous ça en Serbie. Et je mets ça en Serbie ici, comme ça, si jamais. Je mets ça là. Nice. Ah, j'ai des points! C'est en Slovénie, j'ai des points! Ah, c'est vrai qu'il y avait des petites routes aussi. Oh, je lui mets 1500 points. Ah, Domingo, c'est ton comeback là-dessus. Ah non? La fougère d'Europe centrale. C'est... J'ai fait 900 points. Et 2792. 2200. Bah, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai. J'ai mis Lituanie. Enfin, moi, en gros, j'ai mis Tchéquie et j'ai failli cliquer sur Slovénie à la toute fin parce que je me suis dit, attends, mais dans ce pays aussi, là, il y a des traits sur les routes jaunes. Mais en fait, c'est les routes jaunes que je cherchais. Ah, la et même. J'ai fait et Serbie, j'ai pas zoomé sur la Slovénie. Les routes jaunes? En fait, tu sais, il y avait un espèce de panneau avec les routes jaunes avec marqué 940. Ah oui, une espèce. J'ai zoom dessus. J'ai pas vu de numéro de route, moi. Bah, écoute. J'ai juste sur le côté, tu sais, les bornes, Xav, de, ouais, comme les départementales et tout. Ah, ok, ouais. T'es... Bon, après, Tchéquie, finalement, c'est pas si loin que ça, mais... T'as fait quoi, Tchéquie, toi? J'ai fait Tchéquie parce que je voyais, tu sais, je voyais le sur les noms de villes, il y avait l'espèce de les petit accents, circonflexe à l'envers. Je suis trop con, j'ai mis Serbie, alors que c'est cyrillique. Le bouffe. Et du coup, j'ai fait plus de points que toi, alors qu'en vrai, hein, t'étais mieux avancé, je pense. Ouais, bon, ouais. Yes. Deux secondes, je vais juste prendre à boire, j'arrive. Pas de souce, mec. Putain, étoile, j'étais en train de dire que j'étais jaloux de toi. Non, je te le dis. Je te le dis, j'ai pas envie qu'il y ait, tu sais, genre de messe basse, etc. J'étais un peu perdu, je me baladais, voilà, je voyais de la forêt dans tous les coins. Et j'ai craqué, quoi. J'ai craqué, je leur ai tout dit. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Je me suis dit, s'il me fait un 5000 parce qu'il a trouvé un boulot, un boulot typique d'un pays. Tu sais qu'en vrai, j'ai spawn et j'ai dit, putain, les montagnes et les routes comme ça, on se croirait en Slovénie. Ah, mais putain, c'était sûr, je t'ai dit, c'est sûr. Et gros, et Lituanie, hein, tu sais, au final, tout ça pour. Non, mais je pense que c'est ma jalousie qui a fait un contre. Tout ça pour faire 900 points. Moi, j'ai dit, on est dans un pays qui a pas l'argent pour faire ses routes. On est tout en Grèce, mais non. Faut que je la ferme, quoi. Bon, vous êtes prêts? 3, ouais, 2, 1, go. C'est vrai que le clic étoile est un peu plus fluide. Oh la vache, c'est de l'Islande. Je le reconnais, je vous le paye en 1000. C'est clairement de l'Islande. Peut-être de l'Islande. C'est de l'Islande, mais ça c'est un drapeau. Mais moi je respire l'Islande. T'as vu un peu? Putain, je sens l'Islande là. Je suis islandais. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu fort comme ça. Brut de décoffrage. Ah mais là mec, en plus derrière, je me trouve une petite route ici, Hafnarbrut, qui me met méga bien. Non mais là, il y a du 800. Non mais c'est 100% Islande, on a vu le drapeau. On a vu le drapeau là, on sait que c'est Islande. Maintenant la question c'est où est-ce qu'on est en Islande? On voit de la montagne, on va vers le nord et on voit de la montagne. Ah, ça c'est toujours traite ça. Hein. Les petits trucs en mode, allez à gauche, il y a Vosturbrot là. Peut-être que Vosturbrot... Mais jamais trop prudent. Hein. Des Vosturbrot, des trucs un peu comme ça. Par contre, Islande, ouais, ça a l'air d'être bien aussi. Hein. Mais à ce qui paraît, c'est bondé. À ce qui paraît, genre les moments où tu peux y aller, c'est cool, c'est bondé de ouf. Ils sont pas chauds pour me donner un numéro de rue, là. Enfin de... Oh, c'est quoi ça, c'est Ah, c'est limite de vitesse. Il y avait peut-être une info là-bas. Hein. Ça, c'est quoi ça? À Tidny, ça c'est au revoir ça. 100% c'est au revoir. Et là du coup c'est bonjour. Welcome till Hafnar, to Ofen. Hafnar, Ofen, boom, Ofen. Oh là là, la pointe. La pointe sud. On va au nord. Petit terrain de motocross. Il est où le terrain de motocross là? Oh, Dalbrot, on l'a vu, on l'a dépassé. On l'a vu, on l'a dépassé. Moi, je pense qu'on est, on est là. Attends. Je suis vraiment une grosse merde. Hein. Je suis en train de penser à ce que je vais aller leur dire. Pour Flame. Aucune race. Je pense plus qu'à ça. Trouver une bonne vanne.
ça pourrait arriver à faire. Ah ouais. Ah GL. Ah moi j'ai fini. À moi de mon côté, ça y est. J'ai rempli le quota, je sais pas vous. Petite église là. Attends, parce qu'en fait, je raconte ma vie, mais attention quand même. Hein. À pas tomber dans un piège dangereux là. Ouh, qu'attention, c'est quoi ça, Vicurbrot. Cucurbrot. Vicurbrot, juste ici. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais depuis Vicurbrot? Vicurbrot, nord. Nord, j'ai l'impression qu'on prend la courbe ici. Eh oui, on est tout à fait sur du Kikurjubrot. Un grand classique, le Kikurjubrot. Bien sûr, avec juste derrière le... l'autre truc, quoi. Et là, c'est juste là. Alors, on est vraiment sur un... on est sur un moite-moite, hein. Moi, je nous mettrais vraiment sur un moite-moite, légèrement arriéré. Allez, c'est un 5000 puntos. C'est un 5000 puntos. Attendez, j'ai pas la vanne. J'ai pas la punch, j'ai rien. Peut-être les mettre... les éloigner. Faites très attention à la falaise. Je sais pas. Je sais pas, comme ça, je me dis pourquoi pas. Je me dis que ça peut créer un doute. C'est nul, mais justement, en fait, je pense que c'est tellement nul que les mecs vont se dire je suis peut-être pas au bon endroit. Eh ouais. Ouais, ouais. Je pense que là, ça peut être bien. Ça peut être bien. C'est peut-être me commander à bouffer, moi. Hein. Dis-leur juste 5 mètres. Non, mais 5 mètres, c'est du flex pur, tu vois. C'est vraiment de l'étalage de couilles. C'est pas ce qu'on veut. Alors qu'un petit fait attention à la falaise. Tu vois, ça peut t'emmener sur des films genre Souviens-toi l'été dernier, des trucs comme ça, quoi. Les modos, il me semble qu'il fallait changer le titre. Ah non, je crois qu'on est bien, hein, juste ça full bug, mais... ça full bug Twitch, mais à bouffer, il est minuit. Ouais, mec, mais je suis en live depuis 19, j'ai pas mangé, moi. Oh, oh putain de sa mère, faut que je vous montre ça. Je me suis acheté... Du coup, vous en étiez où? Fini, moi. Yep, bien joué. T'as fait combien? 5000. Ah, bravo. T'as fait combien, toi aussi? J'ai fait 4995. Putain. Oh, j'allais leur montrer. J'ai acheté un petit brie. Un brie à la truffe. Oh, mais il est divin. Oh, t'es le bonbon, ça. Petit brie truffé. Pour, mais je me... mets. T'as acheté ça où? T'as acheté ça où Lafayette Gourmet? Non, j'ai une petite épicerie qui fait fromagerie aussi à côté. Un peu genre, un peu italien, un peu tout. Oh, la vache. Oh, c'est que je me mets. Pardon. Xary, t'en es où? Ouais, ouais, faut pas en parler. Hein. J'ai cliqué au pif sur l'Islande, je sais pas où c'était. Et c'était évidemment sur la côte opposée où j'étais. Ah merde. La classique. En plus j'ai cliqué au dernier instant, j'étais sur la côte est et au dernier instant j'ai cliqué sur l'ouest et bah du coup bah terminé quoi, j'ai 3000 points. Hein. C'est fini. On y retourne. Go les amis, 3, 2, 1, go. Non mais alors c'est incroyable, on peut en parler un peu plus là maintenant qu'on est entre nous. N34 paysage comme ça. Non, en vrai, c'est très très bon. Ouais, j'avoue que j'ai des réactions un peu bizarres, peut-être, mais genre, c'est trop bon. Je sais que le brie, c'est pas hyper fort, mais du coup, l'avantage que ça a, c'est que ça laisse paraître et sortir tout le goût de la truffe. Moi, je suis très truffe. On est où là? C'est quoi ça là? Wild Hand, là, ils ont cru que N34, N381. C'est quoi? C'est assez Copenhague ça. Hein. Enfin, c'est. Pas du tout, du au pif. Drachten, Balen, Coverden. Ah mais non, c'est Pays-Bas. N36, N381. Hemmen N381. Juste là. Et du coup, genre vraiment, j'aime beaucoup. J'avais acheté un petit comté aussi, puisque
Attends, N380. Je peux pas vous parler là. Vous êtes dérangeant. Voilà, je vous le dis. Vous êtes oppressant, vous êtes là, vous voulez tout, tout, tout le temps. Eh ben non. On est là, là. Petit rond-point. Petit rond-point, le double petit rond-point. Et N34 qui part de l'autre côté. Là, je vais au nord. Je vais au nord, mais je suis N34 puisqu'on prend de l'autre côté. Ah, mais non, il n'y a pas à ce point. Ah, quoi que si. Parce que là, ça, c'est le truc. Mais pourquoi, du coup, on vient de là, nous? Tu sais, je pense qu'on est là, du coup. Ouais, si, si, N34 de l'autre côté. Du coup, on est là, je pense. Ouais, comme ça, on va pouvoir parler un peu. Là, c'est la sortie de la N34. Ouais, on est là, c'est ça. Du coup, ce que je vous disais, petit... Non, j'adore le comté, moi, mais je trouve que le comté, quand il est pas assez affiné, genre, c'est du gruyère, en fait. C'est du gruyère, mais du coup, j'en avais acheté, genre, du 7 mois. Et là, je suis injouable. Hein. Eh, mais quand j'ai le brie à la truffe, faut juste me nourrir, putain. On me nourrit pas. Bon, bah, voilà. Je suis pas nourri. Mais vous aimez pas le brie? Vous trouvez que c'est genre un fromage un peu de merde? Vous voulez un petit bout de fromage, les gars? J'ai le temps de vous servir, hein, si vous voulez. Mais... Tu me fumes. Putain, du coup, vous avez pas assez de goût. Ah, je comprends. Mais je suis pas très fromage hyper fort. J'avoue que je suis pas fromage... Je suis pas gros fromage de... Tu sais, genre... Je sais pas, genre... Trucs qui ont trop de goût. J'aime bien les trucs... Mais après, la truffe, je kiffe. Mais c'est assez cher. Là, je cherche un fromager un peu... J'aime bien découvrir des nouveaux fromages. Comté, mon préféré. C'est trop bon, le comté, mec. Mais moi, j'aime bien le comté, genre 30 mois, un truc comme ça, genre limite avec des cristaux de sel. Le brie, c'est quelconque, zéro goût. Ouais, je comprends. Mais comme j'ai pas trop l'habitude, ça fait un goût un peu camembert, tout en étant assez léger avec un truc de truffe, quoi. De ouf, le comté 24 mois. Mec, la folie. La folie. Truffe, c'est trop bon. Ah, j'adore. Tous les trucs à la truffe, j'adore. Mais en vrai, il y a beaucoup de trucs où c'est juste goût truffe, tu vois. Ou... Vive la brebis. Oh, moi, ce que j'aime, c'est le tome de chèvre. Mais tome de chèvre, j'en trouve plus. J'aime trop la tome de chèvre. Putain, et Mod qui dit en ce moment, je suis fan de la tome de chèvre. Bah, bienvenue. Le petit brie. Putain, excuse-moi, t'as fini? Ouais, pardon. Ouais, oh, le petit brie, là, mec, je me le défonce. T'avais... Ah oui, ok, oui, tu l'as eu trop vite, putain. 5000 tellement vite. Ouais, Bah, j'avoue que j'ai eu chat sur la ville, quoi. Mais Europe, j'aime bien, hein. Moi, je me trouve pas mauvais en Europe, putain. Ah, clairement, tu cloches, hein. Mais... Tu fais du sale. Bah, après, tu vois, je trouve que du coup, tu reconnais à peu près vite les écritures. Et ensuite, ouais, tu sais, je trouve que les routes, quand t'as capté que si tu zoomes, tu sais, genre, tu vois la couleur des. Ouais, de ouf, ouais. Genre, pas. Tu sais, genre, tu vois tout de suite si. Bah, du coup, les E, bah, il y en a partout, mais genre. T'as du bleu, t'as du jaune et compagnie, donc... Ouais, clairement. Tu te dis... tout là, vu que c'est une intersection, ça aide. De ouf. T'aimes le fromage, toi, Étoile? J'aime trop le fromage. C'est quoi ton fromage préféré? Le comté. Ah, putain, on en parlait. Mais t'aimes affiné ou pas? Ah ouais. Genre combien? Oh, max, quoi. Enfin, un pourcentage, ouais. Non, non, mais un truc, oui, genre... Un truc quand même bien affiné, quoi. Ah ouais. Mais j'aime bien. Ouais, ce que je disais, c'est que sinon... Sinon, ça a pas de goût, quoi. Non, mais c'est vrai, non, mais tu sais, c'est un goût un peu aimantal. C'est, vrai, c'est un peu le même. Moi, j'aime bien le. Tu sais, ce fromage-là, qui s'appelle le porc salut. Tu vois ou pas ce que c'est? C'est du Saint-Paulin aussi. C'est le truc orange ou pas? Non, c'est pour ouais. L'évêque, ça? Si, c'est ça non, aussi. Non, c'est le truc orange. Non, parce que c'est la croûte qui est orange. Ouais, à l'intérieur, la mimolette. C'est la croûte, ouais. Ça me met trop bien le porc salut. La mimolette, ça a pas vraiment de goût. Ça fait longtemps que je l'ai pas mangé. Le Xav, t'as fait combien? J'ai fait 5000 à la fin là, mais L'un qui me dit fromage et géoguesseur, je regrette de pas être venu. Ah bah frérot, là c'était l'occasion. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, ouais. Let's go. 3, 2, 1, go. Ouais, c'est chill quand même. Oh bah dis donc. Policija, Hôtel Tota, Policija, Plaza Karine. Ça c'est j'allais dire c'est serbe, mais c'est du croate là. Je le sens bien en...
Je le sens bien en petit croate là. Je sais pas pourquoi. Ah, y a pas d'accent en Croatie ? Si, y a de l'accent en autocac. Gros bex à toi. Ça, ça m'a donné envie de manger là. C'est la dernière d'Europe, ensuite on aura deux mondes. Et je pense que j'ai un peu rattrapé étoile, mais je suis quand même assez loin. Merci à tous ceux qui lâchent des primes depuis tout à l'heure. Excusez-moi, même les resubs, je vous vois pas trop. J'avoue que j'essaie un peu de me concentrer. En même temps, je vous raconte toujours ma life. Wow, comment c'est trop beau. J'avais pas vu qu'on était là. Oh, le feu. Prehistoric Drawings. Lipsy. Wow, je sais pas où on est là, frérot. C'est trop beau, par contre. C'est genre, j'ai envie d'y aller. Pas avoir des petites infos là-bas, là. Sako, merci pour le prime, aussi bienvenue. Attendez. Parce que là, on est où, là? On est où? Karine. Hôtel Teta, hôtel Enforne. Un peu touristique. Ça peut être Croatie, il y a quoi d'autre comme... Il y a pas mal d'endroits touristiques, hein. Oh là là, ils se baignent là, eux. Comment j'ai envie d'aller en vacances, putain. Tivat, Budichi, Tivat. Zadar, Pula, Rovinj, non? Ludva, Podgorica. Ils ont un petit bout, les Slovènes. Oh, le feu, putain, comment c'est trop bien ici. Mais on est où, là? On est peut-être... On n'est pas en Grèce, c'est pas comme ça, la Grèce. Ça fait 20 fois que je passe devant les mêmes panneaux, là. Urbano, Risna, Svepavla, Petra. Ah, je vous cache pas que... Il y avait pas Prisna à un moment? C'est pas du tout ça. Il nous faut toujours des routes, de toute façon. De toute façon, GeoGuessr, c'est bien clair, tu cherches toujours des routes. Rimsky, Mosaïka, ouais, bah, on voit de la ville, toi. Villa Illyrique, là. .com, putain, le seul mec, c'est .com. Port of Risan. Risan. Quand même pas mal d'infos sur Risan, là. Parfait. Aucune info sur Risan. Moi, je suis parti en Croatie, mais... Oh, le mec, il a fait un petit arrêt au... Petit moment station essence. Eh ben. Oh, ici. Apartment for rent. Arrêtez de mettre .com, putain. On est à Risan. Alors, je sais pas où c'est Risan, mais on est à Risan. C'est vrai que ça descend bas, eux, hein. Putain, Croatie, ça a l'air d'être des bêtes de vacances aussi. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être vraiment des bêtes de vacances. Split, Milna, Silbenek, Zadar. J'ai dit quoi, Risna? On est où? Risan? Rovinj? Rijeka? Aucune idée. Oh, j'avais choke. Alors qu'il y a eu le bris, il y a eu tout là. Oh, je vois du not like 10 là dans le chat, ça me... Banja. Oh non, 1 sur 10. Oh, vous me... Non, je vais trouver. Attendez, j'arrive. Roman Mosaïques. On n'est pas en... Banja. Oh, je sais pas où c'est, ça me meurt. Udin. Ils sont allés jusqu'où, putain? Ces Italiens, là. Allez, Risan. Risan en chatte. 10 secondes. Faut accélérer, là. Ah, oh, putain. Putain de merde. Ah ouais, là. Bien joué, Xari. Ah, ouais, je vous ai bien éclaté, hein. Je suis trop fort.
frappe là-dessus, je me suis perdu. Bah non, j'ai trouvé. Ah, tu l'avais. J'ai essayé de trouver un truc, un point d'eau. Mais j'étais à côté! Je me suis mis à Podgorica, moi. Mais... Oh, je suis le roi des bouffes. J'ai cherché une ville qui s'appelait Perast, j'étais vraiment à côté. Ah ouais. Moi, j'ai juste vu le bus du Monténégro et après j'ai checké une étendue d'eau, quoi. Moi je cherchais Rissane et du coup. Moi je cherchais la mer, du coup j'étais un peu loin. En fait, moi je me suis dit, l'eau, c'était pas la mer, c'était sûr que c'était pas la mer, parce que c'était enclavé. Donc je me suis dit, c'est soit un des lacs au-dessus. Comment vous avez eu Monténégro, genre? Dans le bus, Podgorica. Non, en fait, moi je pensais que c'était la Serbie. Et après, j'ai vu Podgorica à Monténégro. Et c'est la capitale. Du coup, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, c'est ça. Et ah putain, bien joué. Bon, en gros, sur le bus, c'était marqué en énorme Monténégro Tour. Ah, je suis trop con, moi. Je suis parti en mode, on est en Croatie à tout prix. Qu'est-ce que ça a l'air bien, hein. Enfin, pas bien, mais il y a plein d'îles en Croatie, putain, c'est fou. En plus, moi, j'ai vu un truc où c'était marqué Plaza quelque chose. Au début, je croyais qu'on était en Italie. Hein, donc. J'ai eu le doute aussi. J'étais en mode bon. Mais bon, ouais, ça va, j'ai presque fait 5000 en vrai, donc ça va. Putain, j'ai hint un peu moi là. 3000 là. Chappy. Le hint qui me met à 20320. Alors que tout était si beau. Merde, j'ai ruiné. Oh, j'ai tout était si beau. Dommage. J'ai full choke. 20 991. Oh, le Xav. Ah, c'est vrai que Monténégro, ça me connaît, quoi. C'est ici une victoire de Rune, quoi. Putain, le Xav, très solide en Europe aussi. Hein. C'est vrai que j'étais encore Diverse World. Bah, t'es assez so-so, ouais. Vas-y, ça part en Diverse World, là. Ok, go, je vais vous... Ça, par contre, ça peut être enclin à Giga Choke. Hein. C'est qui tout double monde? Ah, le monde, c'est face un petit peu... C'est un tel étendu. Dans le monde, quand tu es vraiment dans le trou du cul d'une ville aux USA où tu sais pas laquelle c'est, enfin tu sais pas où elle est. Ouais, de ouf. T'es en mode, bon, bah les USA c'est un peu grand, quoi, donc. Y'a quoi là? Y'a 5700 points entre Xav et moi, et y'a 7000 points entre Étoile et moi. Ah, c'est faisable, hein, sur un choke de Étoile. Sur un choke massif. Bah, il a fait un choke. Sur une déco, ça joue à une déco. La dernière fois il a choke, mais bon, je pense pas qu'il choke deux fois, enfin c'est quand même Étoile. Le monde ou rien, mec. Vas-y, c'est bon. Je me fais du fromage au couteau, j'en ai plus rien à battre. On y va? Oh putain, mais moi je croque carrément dedans, hein, plein dedans. Oh hein. Mais putain. Vas-y, on y va. Hein. Attends, Étoile est off. Ok, désolé, je vous file le lien. Ouais, c'est bon, là. Vous êtes prêts? Ok, je vous dis start. Diverse World, 3, 2, 1, go. Putain, je voulais proposer à Xari. Je fais une soirée poker mercredi. Oh merde, on est dans le monde là. Bonne chance les amis, c'est chiant, le world. Alors attendez. Oh mais dis donc, ça me dit quelque chose ça. Ça serait quand même pas la Finlande. Il faut que je lui propose pour voir s'il est dispo. Ah, c'est Pays-Bas peut-être même. Et dame, Volendam. Peut-être Pays-Bas, ça même. Hein. Je sais pas, on va voir. On va se balader un peu. À voir. Bon, ça serait propre que je ne choque pas intégralement, là, pour finir. Ça serait sympa. Oh, du gros panneau. Qu'est-ce que j'aime, les panneaux comme ça. De Coug. Mais là, on est clairement mais sur de la N244. C'est du full Pays-Bas, mais ça, mais... Ah, je te le donne en 1000. Je te le donne en 1000. De Coug, Amsterdam, A7, Directos, mec. Zaanstad, Amsterdam, c'est où la A7? A7, jusque là. N244. Oh, 45, 48, 40 tout court, 42. Oh, 48, 40, 99, 49. On va la trouver. 47, 44. Du coup, N244, il faut... Et deux Bansti. C'est quoi deux Bansti? Deux Bansti, deux Coug. C'est quoi deux Coug, là? Ah, il y avait Edam un peu plus loin, là. Tout à l'heure, on a vu Edam, là, je crois, à la croisière. Enfin, à la croisière. Oh, putain, la vache, le level du mec. Bon, la croisière, là. qu'est-ce que c'est, là, tous ces deux Coug, pas deux Coug, là? C'est quoi, ça? Pummer, deux Bansti. Ah, voilà. Bansti Host. Et l'autre, c'est où, deux Coug, là? Comment ça m'emmerde ce de couple là. Moi je le dis une fois, je le dis deux fois.
falloir se calmer rapido là. Bon, du coup, nous, on est un peu dans le coin. Mais je vais revenir de base. De base, j'avais d'autres... J'étais parti par là ou par là? Par là, je crois. Ah, quoique. Ah, par là, puis par là, là. J'ai pris le petit pont, non? J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais pour... Mais je suis teubé, putain. Non, j'ai fait ça. J'ai fait ça, là. Si, si, au bout, là. Au bout, il y a un... Si, voilà. Alors, et dame, volen dame. Parfait. On est à 3 km, là. Et dame, volen dame. Westerweg, là. On va vers le nord. 3 km. Ça, c'est la N247. Oosterweg. Putain. Il y a Oosterweg, moi, je cherche Westerweg. Oh! C'est dingue, ça, quand même. Ça serait pas la même, juste, ils ont des... Non, c'est pas la même. C'est fou, ça. ZD Weg. Ah, mais ils sont en full Weg. Eux, le Weg est familial. Attendez, comme ça, on essaie de faire bien, là. Du coup, en plus, il y a une petite piste cyclable pour Edam. Il y a Volendam aussi, bien sûr, dans le coin. De toute façon, inséparable, les deux. Katam, Quatschdick. Quatschdick, c'est quand même 3 km. Hein. Quatschdick... Quoi je dis que c'est là. Du coup, Westerweg. Eh ben, on croit me la faire, moi. C'est fou, ça. On croit comme ça me la faire. C'est-à-dire que les mecs, ils continuent à se dire, le mec, pas de souce. On lui fait, normalement ça passe. Normalement ça passe, mec, t'en fais pas. Je l'ai déjà fait une fois. T'emmerdes pas avec lui. Ça, c'est dingue, ça, quand même. Ah, mais j'étais de l'autre côté. En fait, je suis parti de l'autre côté. Bon, quoi qu'il arrive, c'est 5000 points. Et Quadige, c'est où? Quadige, c'est là. Ah, j'ai mal à la cheville. Ok, bah écoutez, ça me semble très sympa, ce petit truc. Hein. Ah, il y a un viscère aussi? Il y a un viscère. C'est où, viscère? Bah non, là, on est sur... On est sur Edam. Hein. Donc Edam, il y a deux viscères même. Je me mettrai là, moi. Oh là, c'est petite panique là. Oh, petite panique là. Oh, je vais pas faire, 5000 points à cause de ça. Ah si. 47 mètres. Bien joué, Père. 6 mers, t'as fait combien? 4990. Putain. Ah, aïe, aïe. Ah, il était à côté, mais quel crack mondial. Ça... Vas-y, ça repart. Ouais, yep. Ouais, go. 3, vas-y. 2, 1, go. Voilà la prononciation. Oh là là. Ça, ça, mon pote, c'est exactement pour ça que je joue à GeoGuessr. Voir autre chose un peu, là. On les aime bien. Hein. On les... Non, mais bien sûr qu'on les aime bien, les Hollandais, mais bon, au bout d'un moment, on commence à les connaître, quoi. Sibuyan sub-office. Tu vois, alors, c'est pas exactement où on est, là, ça, oh, ça me semble être... là, la Guyane, Bassourang, là, ça peut être Philippines, ça peut être Thaïlande, ça peut être... Ça, c'est, en vrai, c'est cool, ça, c'est cool de jouer dans Diverse World pour ça. Panda parisien, merci. En vrai, j'ai mangé quand même pas mal de bouts de fromage, là. Tampayan. Seventh Day. Où est-ce qu'on peut être, là? Il y a du palmier, hein. Si jamais c'est la merde, je retourne de l'autre côté et je vais dans le sens inverse. Je pense que ce que je vais faire maintenant, là. Ouais, là, c'est un... Bon, on traverse déjà... Un putain de fleuve qui donne sur la mer. On sait jamais, hein, que ce soit un lac gigantesque. Moi, je vous connais, après. Hein. Je suis obligé de me protéger. Il y avait un panneau, là. Il y a un panneau et... Il dit pas qu'il y a un panneau.
Là. Ponawa ? Italim Og République. Ils aiment bien les P. Il y a du P partout là. Oh Barangay. C'est où ça? Je connais ça. Je connais, c'est genre Malaisie, c'est genre Indonésie, c'est genre... Ah putain, je connais ça. Ils aiment bien l'épée. Non, ça peut être Philippines. Pourquoi pas? Non, c'est pas ça. Ah, mais je connais! Donnez-le-moi. J'avais déjà vu, je suis déjà tombé dans un truc comme ça. Oh, Bandar Lampung. Bandung. Ah, c'était peut-être Bandung. Non, Barangay, ça me dit un truc. Vous connaissez aussi? Ah ouais, vous connaissez aussi, c'est terrible. Vous avez envie de me tuer. Voilà, comme d'hab. Non, Barangay, Corée du Sud, moyen. Non, c'est pas l'ambiance. Hein. Non, mais... Ça va bien se passer. Padang ? Non, pas Padang. Ah, mais Barangay, putain, ça me dit tellement un truc. Bon, faut que j'avance, là, en fait. Ah, j'ai le seum, là. C'est pas Indonésie ? Ah, oh, vous avez envie de me faire du mal. Putain, c'est dur là. Ah, pour tout le monde là. Pour tout le monde. C'est pas Indonésie en plus, hein. Du coup, ouais, je suis en recherche maintenant. Ah non, c'est pas Birmanie, c'est pas Bangladesh. Non, là, c'est des trucs où... C'est quand même... Eh ben, un gars, c'est pas genre plus Sri Lanka, un truc comme ça. T'aurais pu, non? C'est en Inde? Ah, je suis en choke. Moi, j'aurais foutu ça là. Moi, Bandung m'a eu, moi. Fini. Philippines ? Je me Philippines au hasard ? Oh putain ! Oh, ils aiment bien l'épée ! Oh bah alors jamais j'avais ça par contre. Comme voulez-vous que j'ai ? Il y avait le drapeau philippin. Oh non, putain, je sentais que ça aimait bien le P dans le coin. J'essaie de grid. Oh, j'ai choke. Oh, j'ai ruine, gros. Ah ouais. J'ai cliqué sur le bon pays, juste après, enfin sur le bon truc, sur la bonne île, et après, juste après, je suis allé à droite, je suis un non. T'inquiète. Il y avait le drapeau, j'ai le choc. J'ai fait 4002, je suis une énorme salope. Non, c'est très bien 4002, mec, hein, sur un endroit comme ça, t'inquiète. Ouais, mais j'aurais pu faire genre beaucoup plus. T'as fait combien, Etoiles ? 3500. J'ai fait 1014, moi. J'ai voulu grid en mode je veux faire un 5000, tu vois, du coup, je me suis pas mis au centre du pays, et j'ai vu une direction de pont comme l'ouest. Et je me suis dit, alors peut-être. Dans la toute petite île. Et ouais, j'ai tenté alors peut-être. Mais... Comment vous avez eu à Philippines ? Il y a un drapeau à la fin, j'ai eu un drapeau. Mais j'étais sur Malaisie moi au début. Hein. J'ai zoomé sur un panneau, il y avait marqué Philippines. Ah putain. Ah moi j'ai vu Barangay, je suis resté ouais, dessus, Barangay, je pense. J'ai vu aussi, j'ai essayé de trouver. Ça veut dire Barangay petit quartier en fait. Barangay, disent. Ouais, m'ont dit. Barangay, mais c'était la petite île à gauche, Barangay apparemment. Non, je crois que c'est la plus petite institution. Genre c'est pas une ville, disent. C'est genre un petit quartier, quoi, en gros. C'est vraiment le tout petit truc. Tout à l'heure, vous êtes tombé sur Edam ? Ouais. Ouais. Edam, on est d'accord que c'est un bon fromage. Oui, c'est un fromage, ouais.
Oui. J'aime trop quand Xari prend cette voix du dalleux. Ouais, tu m'entends. Non, parce qu'en fait, j'ai failli chercher Edam sur internet pour voir à quoi ça ressemblait. Je me suis dit, mais c'est con, ça m'a balancé la ville et du coup, ça va être un peu facile quoi. Bref, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, let's go. Go, 3, 1, go. Oh merde, ok. C'était mal pensé de ma part. Je suis désolé, je me suis arrêté sur un truc qui était un peu bizarre. One way, do not enter. Ah, ça, c'est mes amis les Mormons, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On est où, là? Me dites pas qu'on est dans le Dakota du Nord, quand même! C'est pas retourné depuis que j'ai quitté cette fabuleuse Rosaline. Putain, sacré bout de femme, hein. Ah, bah là, il y a un grand panneau, là. Ça, c'est mon Rushmore, tout ça, là. Le Kanaskis Trail. Dakota du Nord, hein. Peut-être Dakota du... Ah ouais, là, c'est... Attendez, parce que j'étais pas tout ce que j'avais prévu, là, moi. Trans-Canada. Mais attends, on est dans le Dakota du Nord. Excusez-moi. Ce serait fou. Oh, ce serait fou. Pas du tout. Kananaskis. North Akarta. Ah mais on est où? Est-ce qu'on est... Parce que là on va vers 40... C'est les States ça déjà? Ah, grosse caisse là, ça faisait penser quand même. Le truc, c'est que c'est... Il y a beaucoup de coins, genre un peu mon Rushmore comme ça, June. Putain, j'arrive pas à lire. Akarta, c'est quoi ça, Kananaskis Trail? Est-ce qu'on peut être où sinon? On peut être Nouvelle-Zélande là, non, dans le délire. Ski Area, Provincial Park. Quelle idée, moi. Volker, machin, road. Oh lolo, oh lolo 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 lolo, et bé là. Il y a le Canada sur... Peter Langevin. Ah mais ouais, on est peut-être au Canada en fait. Ah bah Trans-Canada Highway, mais quel bouffon, putain, c'est fou, pardon, excusez-moi. Le Trans-Canada. Ah mais ça a pas l'air d'être trop ça quand même. Ah si, il y a du 40 là. Enfin, il n'y a pas du 40, mais il y a du 11. 104, 11, 41. En même temps, mais bon... Quartal Lakes. Oh là là, mais là, je suis du père, là. Kanaskia Village, aussi loin. Ah, moi, ça me... Coleman. Oh, Calgary. C'est en Italie. Ils sont pas chauds pour nous donner un peu d'informations quand même, parce que le Trans-Canada, ça doit faire le tour du Canada, quoi. Ça, je vous le paye en mille, ça. J'aime trop être un plouc. Calgary. Eh ben, heureusement que j'ai quand même une sacrée notion de tout ce genre de pays, là. Et la route 40 qui est juste à côté. Putain. Pays de Kanaskaski. Ah bah je crois que c'est encore une enquête qui vient d'être résolue. Beau petit coup de chat quand même là. On va pas se mentir sur celui-là. Non, on va... Non, sur celui-là, on va rester humble. Voilà. C'est important aussi à des moments de savoir dire merci. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je panique. Je commence à paniquer. Kanaskaski... Trail. Je troll avec le nom aussi de ça, là. Ça commence à faire beaucoup, là. 40 et 541. Pas du tout là, putain. Enfin, si, on est peut-être là, mais... Mon head. Dun, dun, dun. Ah si, 40 et 541. En vrai, on est pile là. Et je remonte au nord. Ah, mais je suis là, en fait! Putain, c'est fou, ça. Quel chat! Mais genre, je suis là.
J'ai un don, hein. J'ai une chatte folle, hein. C'est 5000 points ça. Non mais je suis en vrai, en 5000 points, juste en catégorie 5000 points. Je pense que je suis le meilleur en catégorie 5000 points. En 4998 et tout, je... bof. Calgary et Cagliari. Non mais j'avais déjà entendu... quand même. Demi qui voit Trans-Canada et qui se dit c'est aux US. Non, c'est vrai que... c'est vrai que c'était bof ça. Petit bout de brie pour fêter ça. 5000 points, petit bout de brie. Il en reste plus qu'un. T'as-t-il tout le chat au début? Ouais, mais ça fait du bien. C'est un combien de ton côté, le Xav? Con. 3700 points, UFI. Ça m'a bait, gros. Ils ont mis un panneau Coleman à 100 km et il y avait Calgary qui était à côté, frère. Pourquoi tu indiques une ville dont tout le monde se fout s'il y a Calgary à côté? Ça n'a pas de sens. Moi j'essaie de. Ah, si j'avais trouvé 40 avant, j'aurais redescendu toute la route, j'aurais tombé sur 541, j'avais gagné quoi. Ah, j'ai pas vu 541. Ah, j'avais gagné gros! À 20 secondes près, j'étais à 5000 points. J'ai pas pensé. Putain. 3, 2, 1, go! Je me laisse un peu de temps. Arrête! On est au Canada, on est au Québec. On est au Québec. Là, c'est le Québec, là. Personne n'écrira arrêt. C'est le Québec, c'est forcément les Québécois, ça. Ils ont tous des Américains, écoliers, c'est le Québec. Putain. Oh, Carlo, putain, il me manque. On est où, là? On est dans quelle ville? Garage André. Refroidissement de châssis. Belle petite église. Notre-Dame de Pierreville. Pierreville. Pierreville, 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 Pierreville. 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 Bon, on va attendre un peu quand même. EB. Oh. Ah, j'ai cru qu'il était en train de le faire. Ah non, j'ai mal vu. J'ai cru qu'il était en train de le faire. Ça aurait été dingue. On n'a jamais vu trop d'action sur... Oh bah putain, bah là, les Québécois, vous marquez des points là. Hein. D'un coup, comme ça, direct, tu vois. Déjà, Array, il marque quelques points. Et ensuite, ça y va, quoi, ça bombarde. Bon, Pierreville, c'est bien beau, mais... va falloir m'en dire plus, là. Moi, je me contente pas d'un Pierreville. Mais déjà, est-ce que ça serait pas le fleuve Saint-Laurent, là, qu'on vient de dépasser? Trois-Rivières. Comme ça, là. Ça me semblerait pas louche, hein. Après, peut-être, hein. Pas forcé d'avoir bon à chaque fois non plus, hein. Je perds du temps, là. Là, je suis en perte de temps. Perte de temps inutile. Parce que le fleuve Saint-Laurent, il a l'air mastoc, quand même, hein. Boum. D'un coup, il y a le mec qui est là, là. Le cow-boy. Ah oh, bah là, ils vont être niqués. Ah oh, bah là, c'est embouteillage, hein. Là, on est sûr qu'on se les tape pendant longtemps. Je fais demi-tour. On a besoin d'aller plus dans la... J'ai pas fait la même chose, quand même. Terrain des loisirs. Oh, putain, c'est fou, les Québécois. Bon, 2 minutes 20. 2 minutes 20. Oh, mais ça a l'air quand même d'être une sacrée rivière, là. Putain, par contre, c'est pas de route, c'est que des lotissements, là. Ah, ça a voulu s'éloigner, là. Ça s'est emmitouflé dans un truc pavillonnaire. On n'en peut plus, les gars. Ouais, il faut que je bouffe de la route, là. Par contre, c'est une sacrée... C'est une ville, quand même, le truc, hein. Juste, c'est tellement grand, quoi, large. Que de sac. Ah, c'est un que de sac. Oh bah ça, c'est forcément... Attends, ça c'est fleuve Saint-Laurent, ça. Hein. Ça va jusqu'où Rivière Trois Pistoles. Ah mais après, on a vu Pierreville vite fait. Hein. Ah mais là, le... Ah ouais, là c'est ouverture sur mer, là. Ça et tout, le... Oh là là, je suis foutu. Une fois de plus, 4 sur 5.
Oh. S'il te plaît, non, fais pas chier. S'il te plaît, là, vas-y, à un moment, je te demande de... Voilà. Camping île du fort. On est sur l'île du fort ? Il y a une île au milieu ? Oh, île d'Amicosti. Île du fort, Cap Breton ? Je vais me perdre. Je vais faire de la merde. Je sais pas où s'arrête le Québec, en fait. Île aux coudres. On est sur une putain d'île ? Aïe, aïe, aïe. Je longe, je longe. Allez, vite de l'info, là. C'est mal joué, hein. Ah, c'est mal joué. Mal joué, mal analysé, maison à vendre, boum, le clutch. Par le propriétaire. Voilà, Cimer. Peut-être là, là, Séguenet. Pas un petit Pierreville, là, dans le coin ? Chicoutimi, mais ça, c'est dans le coin aussi, ça, hein. Oh là là. Oh, le plouc. Pierreville ! Putain ! 4200 points, je suis nul. Oh là, je suis désolé. Là, je suis désolé. C'était pas c'était le plouc, chaud. Ça, non. Putain. Ah ouais, de je ouf. Mais je suis trompé de fleuve, moi, comme toi, je pense, étoile. Vous avez fait quoi, vous ? J'ai fait 4320. 4185. Ouais, 230, ouais. J'étais au nord, moi. Ah, j'ai cherché... Nord du Québec, c'était ? Ouais, moi aussi, j'étais au nord du Québec. Il y a full neige, hein, nord du Québec, je crois. Ah ouais, je sais pas. Enfin, genre, il fait... Après, le j'étais frais, du père, en vrai. Saison. Moi, bah, j'ai juste vu Québec. Enfin, par contre, pour trouver le Québec, c'était vraiment une seconde. Mais après, le Québec, en fait, c'est tellement immense que ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est grand de ouf. Moi, je me suis dit que ça aurait pas été street view si ça avait été très très loin. J'ai tenté de me mettre à côté de Saguenay. Moi, j'ai juste vu qu'il y avait. Qu'on c'était le Saint-Laurent, à côté du coup De quoi Ah, c'était le Saint-Laurent, putain. Ouais, en fait, moi, j'ai vu qu'on roulait à côté d'un fleuve. Donc, j'ai cherché un fleuve. Et à un moment, j'ai vu un truc, île, quelque chose. Je me suis dit c'était à côté sûrement de l'océan, s'il y a une île, mais en fait. Ah, île au machin là, t'as vu aussi toi Ouais, mais en fait les îles sont là, ouais. Il y a île au Castor, île du Charme. Île au Castor ? Oh, j'ai pas vu, putain, je sais pas où c'était. Non, j'ai pas vu île au Castor. J'ai juste là, je regarde où on est à côté et c'est marqué île au machin. Ok. Mais après, je savais, enfin, ça m'aurait pas aidé, île au Castor, je savais pas où c'était. Eh, c'était large comme rivière. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, moi j'ai. Tu sais, j'étais 6 mois là-bas. Ah oui, c'est vrai, putain. Non mais gros, aussi, il casse les couilles. Non mais j'ai fait le Slumdog là. C'est vrai qu'il est partout. Non mais honnêtement, ça fait plaisir de voir qu'ils ont vraiment des beaux affluents quoi au Québec. C'est, en tout cas, ça fait trop plaisir au Québec de voir que le premier panneau que tu vois, c'est arrêt. Ah vraiment, de ouf. Que ça. T'es en mode bonjour à tous les Québécois. Hop, tu vois, Warwick ici. Allez, vas-y, go. Vas-y, balance. 3, 2, 1, go. On n'a pas fait une seule fois. Et là, on est où, là ? On est au Nigeria, là ? Où sommes-nous ? Comment ? Oh, Lagos. Eh ! Comment je suis chaud ? C'est quand même... Mais vous profitez quand même ou pas ? Parce que j'ai l'impression que juste, j'ai vérifié quand même, parce que Lagos, il y a eu une incertitude sur tout ce qui se passait, sur tout ce qui se passait là-bas, bien sûr. Mais t'as senti que j'ai été content, puis j'ai pas été content tout de suite. Je me suis dit, attends, j'ai trouvé là, en fait ? Non, mais en vrai, j'avais vu qu'en Afrique... Mais en fait, quand t'as ce genre d'infos, c'est OP. Il y avait genre pas beaucoup de spots street viewés. Bon, du coup, là, on est dans le... L'enfer du highway. On est sur Lagos. On est là, nous, là. Ah non, ça, c'est du train, ça. On est là, non. Oh, à côté ? Je peux me déplacer ? Ah non, je peux pas me déplacer. Pas beaucoup aidé, quand même. Je pense qu'on est là, en plus, hein. Là, je vais un peu au sud. Ah, voilà, ils ont pris une presse, là. Ça, c'est le nord. Putain, là, c'est du... C'est... Ouais. Je sais pas trop quoi faire, là.
n'a pas trop le choix. On va où là? Là, on va à l'ouest, quoi, en gros. L'ouest légèrement nord. Ah, j'ai juré, on peut être là. Hein. Tu vois, là, c'est autre chose, là. Ah, ils veulent faire une putain d'autoroute, là. Badagry Expressway. Badagry Expressway. Non, mais arrêtez, arrêtez-moi, putain. Non, mais mollo, mollo, mollo. Qu'est-ce qui va se passer si je ne choque plus, quoi? Ah, c'est la montée en Ligue 1, hein. C'est quoi, je la donne pour vraiment voir si, si je mérite. Pour vraiment voir si je mérite. Ah bah non, la Fayette Supermarket. Ah bah je mérite plus là. Ah, ils ont pas foutu hein, la Fayette Supermarket en plein sur... J'ai envie de cliquer là moi quand même. C'est là-bas la fête supermarket. Bon, tu sais quoi, on y va. Oh, mais c'est bon, mais pff, putain. Allez, c'est le morceau de Brie. Allez, boum, dans le gosio. Allez, hop là. Oh non, mais là, c'est... Oh putain. Non, je m'impressionne, hein. C'est fou, là, quand même. C'est fou. Oh, j'ai senti le Nigeria. Et ensuite, je sais pas pourquoi, j'ai senti cette route. Voilà. Voilà tout. Ah, oh, putain. AV1 Antoine Daniel. T'es prêt pour affronter Antoine Daniel? Bah, en fait, non, parce que je me fais fumer. Non, par contre, je sais pas qu'il y a une heure, je me suis dit que j'allais me coucher. Ça fait une heure que je regarde Domingo sur Geoguessr. Ah, ça, on peut pas s'arrêter. C'est que le début d'une aventure, ça. Je reviens, il est toujours incroyable, allez, c'est bon. Non, non, mais là... Là, j'avoue que je suis content, quoi. Je fais du sport après. Ouais, putain, faut que je fasse du sport, moi, d'ailleurs. Faut que j'envoie un message à mon kiné, d'ailleurs. De manière assez urgente. Il termine jamais ses phrases. Non, mais là, par contre, je suis siphonné. Hein. Là, je vous le dis, il nous reste 5 destinations, je crois. Attends, je fais combien, là-dessus? 20 244. Et ouais, non, mais ça, j'ai choc. En fait, chaque truc, on a eu un choc de ouf. Celui-là, à la limite, et ça arrive, tu vois, on peut pas être parfait non plus. Mais sinon, je crois que là, j'ai fait 5000 points. Là, j'ai fait 5000 points. Et là, j'ai fait 5000 points. Je fais pas mal de 5000 points. Bien joué. Cimer. T'as fait 22 000 étoiles. Yes, je crois. Oh, j'étais à côté. Oh, je suis un bouffon, putain. J'aurais pu faire 5000. Je fais 4992. Putain, je fais plein de 5000, mais parfois je choke et ça me... Là, j'ai fait un 1000 dans l'eau. Oh putain, et j'ai chaté. Hein. J'ai vraiment... T'as trouvé comment? À 30 secondes de la fin, je vois un énorme panneau, c'est marqué Lagos, Lagos, Lagos. Je suis en mode, Lagos, c'est un pays. Et je fais, bah non, c'est pas un pays, mais... Et après, en regardant les villes au pif, j'ai vu, ouais. La dernière fois, je m'étais fait avoir sur Lagos, du coup, j'ai fait en mode « Go !» C'est ici. C'est ici, je connais. Ouais, je m'étais trompé. Tu sais, genre, je pensais au Laos, le pays en Asie, la dernière fois. Et ah, mais j'ai vu, je crois, avec Kamel et tout, non? Ouais, c'était avec Kamel. Putain, je suis tombé à ce moment sur le live où... Ouais. Ah ouais, j'avais de choc. Honteux de faire autant de points. J'avoue que moi, je suis vraiment en pure chatte à chaque fois. T'as combien, Xav? Oh, mais Xav, putain. Le Xav. Ah, c'est vrai que mon 12 000 me met pas bien dès le début, ouais. J'avais déjà perdu quoi, bon. Ah mais le reste, putain, mais tu me rattrapes fort là. Ouais, c'est presque fini, messieurs. En vrai, c'est ton Québec qui t'a mis dans la sauce, non? Dernière ligne droite, non, c'est Malaisie là. Je fais 3 5 000, 1 4230 pour le Québec et ensuite 1014. Philippines. Ça fait mal ça. Tu fais quoi mercredi soir, Xav? Je sais pas, mais pourquoi le mercredi soir, il y a quoi? Un petit poker à la maison. Je t'en reparle juste après qu'on ait lancé cette game. Boum. Quelle heure? En vrai, bah, tu me diras quelle heure parce que je crois que j'ai une émission. Pas sûr. Hein, mais... Petit poker? Ah, petit poco. Juste histoire le plaisir de jeter quelques jetons, quoi. Je veux progresser, regarde la forme des virages. Non, mais gros, je sais déjà pas où est la ville. Je regarde pas les formes des virages. Je suis pas sur la.
Je sais pas si en France on va faire des 5000 là. Je suis en mode déjà où c'est la gosse quoi. Je vous ai mis le, je vous ai mis le lien. Ah ça régule bien en fait. Hein. Non mais là j'ai chaté pour la gosse gros. J'ai chaté parce que la gosse c'est grand. J'ai juste vu qu'on était sur une grosse autoroute. J'ai cliqué sur A1 quoi. Mais tu vois ce que je veux dire, ça aurait pu être, j'aurais pu avoir 1000 points de moins en vrai tu vois. Un peu chat. 3. Vous êtes prêts ou pas? Attends, j'arrive, j'arrive, pardon. Ah ouais, sorry, sorry. Excuse-moi. Hop. Je suis là. Vas-y. Hein. 3, 2, 1, go. Let's go. Invitez-toi, wesh. Mais toi, il kiffe pas le poker. Il a jamais joué au poker. Non, mais ça, bon, on est dans les États-Unis. Déjà, en fait, déjà, j'ai proposé à Xav, mais c'est vous là, vous avez insisté. J'aurais dû lui en parler un autre moment. Parce que, genre, en fait, je suis pas sûr qu'on ait une place. Du coup, c'est le pire truc que j'ai fait concrètement. Donc, je suis déjà dans la merde avec un. On est ensuite sur. Bon, allez, vas-y, venez, on fait ça bien là. Vas-y, on arrête de. Attendez, je regarde. Parce qu'en fait, j'ai une table. Sauf que j'ai une table qui est dépliable, mais c'est qu'une table à. Où c'est 6, quoi. Donc déjà, on est déjà 7. Wesley Lincoln, ouais. 25. Non, mais les grosses, normalement, elles sont trouvables, non? Genre les 10, 20, 66, 25. Voilà, boum. Ça, c'est fait. Ensuite, on cherche quoi? On cherche 87. 87, 87. Ah, elle est longue. Ah ouais, c'est de l'infâme. Ah ouais, c'est de la belle infâme. Sauf que 87, boum. Oula, un 87 qui... ça me dit rien qui aille, ça. Ça me dit rien qui aille du tout, ça. On s'est déjà fait baiser, là. On s'est déjà fait baiser sur ce genre de truc. Là, ce genre de 87, là, qui est genre sur un truc. Moi. Allez, 25, c'est genre... Je crois qu'on s'est déjà fait baiser là-dessus. Fit Collins. Attends, bah du coup, Interstate, 80. Il y a la 80 aussi à côté, là. Entre 25 et 80, on va pouvoir recouper, je pense. 25. La 25, elle s'arrête là, à 10. 25, 40. C'est un gros all-in, en vrai. 25. C'est quoi, là-bas? 80. C'est ouest. Non, je ne la trouve pas. Oh, ça, c'est sur la route de Denver, là. Ça, c'est... 80. Cheyenne. Ok, bah... Ouais, c'était ça aussi. Facile, les States. C'est chiant. Ouais, moi, je suis sur la route et tout, mais je pense que je ferai pas 5000. Bah, j'ai fait 5000. Après, je suis quand même à 1 mètre, donc ça, c'est chaud, quoi. Ah, le boss. Non, je suis, en vrai, je suis à 12, j'ai flex un peu. Mais c'est quand même 5000, ouais. Bien joué, mec. Moi, je pense que je vais taper un peu loin, honnêtement. Oh, t'es chaud. Moi, tout ce que je veux, c'est que Domingo trouve pas, comme ça, je le rattrape. Mais bon, c'est assez facile, quand même. Moi, je suis près de Saint-Trope, là. Il reste combein de temps? 15 secondes là. 1 minute 23. Ok, non, parce que j'ai trouvé en 20 secondes, donc c'est pas ça. Putain, mais toi, t'es le boss, toi. Pas un mec de la team Pax pour rien, toi, mon con. Ah, c'est vrai que j'ai cliqué au States et j'étais là, quoi, tout simplement, ouais. 80, 25. T'es pas mal, ouais. On m'indique que c'est pas mal, ouais. On t'indique ça, toi? Je suis perdu. Est-ce qu'on t'indique d'autres choses, mec?
plus d'informations sur ma boussole, moi. Qu'est-ce que c'est, Xav? Ouais, de rien. Ok, ouais, pas de soucis. T'as gagné, c'est 5000? Non, je sais pas, pour gros, je suis perdu, là. Ah. En plus, vraiment, la 80, par contre, elle fait vraiment toute la map, hein. De gauche à droite, hein, y a pas de... Ouais, moi, je pense que je suis vraiment loin. Y'a pas de douille. Attendez, putain. C'est mon occasion, je vais la choke, là. Ouais, bon, finissez, là, le jeu, là. 5 secondes. Ouais, je dois être là. Je suis du père. Ah ouais, je suis à 200. Ah oui, d'accord. Que je rattrape Étoile, est-ce que je rattrape Domingo sur putain, Dodo si ça va. J'ai fait 4388. Merde. Je fais 998, ah ouais, j'avais merdé, moi. Enfin, quoi, pas merdé, mais genre... 4900 98, ouais. Ça va. Ah quoi, ah, donc... ah, ah, pour toi, merdé, c'est... Gros choc. Non, mais j'étais genre... Gros choc à 2 points. Moi, je te dis, gros, soit je suis en 4995 plus, soit je suis à 2000 sur tous les scores. Et je fais généralement 3 sur 5. Donc, moi, donc ça sert à rien. Je suis un bouffon. J'étais perdu là. Bien joué. Putain, 3. Vas-y, let's go. 1, go. Bon, en vrai, 2 points, ça nous gêne pas. Mais c'est vrai quoi. Généralement, c'est soit je fais. On est en France. On n'est pas du tout en France. Je ne sais pas où on est. Pas trouvé un numéro de sortie. Je l'ai pas vu moi. Mais arrête de leur parler que t'as pas fini, c'est nul. Allez go. Frérot, tu viens de te taper 3 heures de GeoGuessr. On va pas dire que c'est nul quand on parle un peu trop. Je pense que là, Hugo, t'as laissé honnêtement les mots prendre le dessus. Voilà. Y a aucun problème, ça arrive à tout le monde. Surtout que là, je vais te faire un petit 5000 points, mon Hugo. Je vais le faire juste pour toi. Là, j'ai vu sa tête, je peux te dire que c'est du Slovène. Là, il y a du Slovène dans le coin, là. Il y a du Slovène, c'est vert, boum, clac. Voiture à peu près type 7 500 € d'occasion. Non, même peut descendre à 5. Oh là là là, ça c'est... Là, moi, je pense qu'on est clairement sur... On est là, je reviens vers vous dès que possible. Là. Hop. Petite machine arrière. Boum. Ah, petite machine avant. Ah oui. Palotas Bezenisus Gog. Bezenisus Gog. Et Bezenis Gog, est-ce que ça serait pas... Putain, Bezenis Gog, quoi. Comme ça, ils nous la font, là. Du Bezenis Gog, alors qu'on n'a rien demandé. Cool l'ambiance. Non, mais là, c'est le moment où faudrait que je sois rigoureux. C'est vrai. Bloc-notes. Bezenis Gog Paloska. Hop, belle prise de note, ça. Belle prise de note. Là. On va avoir le même panneau. Bezenis. Bah, pas si loin, hein. Je suis. Oh, bah, c'est bon, on va pas faire genre, je vais me faire corriger par quelqu'un non plus, quoi. Là, c'est. Et Paloska montre un peu, mais je perds tout mon temps. Palotas. Bon, c'est vrai que j'ai un peu abusé. J'ai un peu déconné, mais... Et je vais au sud depuis tout à l'heure. Une route où il y a beaucoup de croix, beaucoup de... D'ailleurs, pas mal d'accidents. Quelques serres aussi. Normal, hein. Voilà, de la forêt à proximité. Assez peu, quand même. Plutôt sur de la plaine, ici. Bon, à 2 minutes, si j'ai rien, je vais de l'autre côté. Décision forte. Là, je bombarde. Vas-y, je bombarde. Fermez les yeux, je vous dis quand c'est bon. Ça fait un peu mal aux yeux. Fermez encore un peu les yeux. Ok, je vais de l'autre côté. Allez, on est parti. C'est vrai que c'est ressemblant, quoi. Hein. Je suis parti par là. Là, vous avez le droit au Yeonae, juste. Non, si, je suis parti de l'autre côté. Je suis parti de l'autre côté, c'est bon. Ah, c'est quand même... Oh, c'est chiant, putain. C'est chiant. Ça nous emmerde. Là, ça m'emmerde, là. Honnêtement, ça m'emmerde. Faut qu'on observe un peu.
Caméraval, Mezegdville. Mezegdville. Putain, je peux. Je disais que ça parlait slovène, hein, je pense. Oh, il y a une ville là ? Ah bah là, Cimer. Ah bah là, frérot, enfin. Bezenis Gog. Ah bah là, clairement, on est sur. Bezenis Gog. Winderbach. Eh, mais on est en Hongrie, hein. Non, on rigole, mais. C'est Hongrie, ça, non? Je pense qu'on est en Hongrie. Et là, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est du patois, ça. Ah bah non, la Hongrie c'est... Ah quoi que, hein. Slovaquie, allez, vas-y, je fous ça là, moi. Putain, on était en Hongrie, hein. Vous m'avez dit full, pas du tout, vous. Vous m'avez dit full, pas du tout. On était en Hongrie, hein. Il y avait un drapeau allemand, mais ça, c'est la ville jumelle, ça. Mais c'est pas mal, c'est quand même, 1944. Ouais, bien joué. 1945, ouais, j'ai vu Sloznok, le petit pays... Sloznok, pardon. Sloznok, ah ouais, je l'ai pas vu, moi. Putain, vous avez eu quoi, vous? J'ai fait 4852. Il y avait rien, j'ai juste vu que c'était un soit du polac, soit du polonais. Moi c'est les... Des trucs dans le genre. Les paysages directs, en fait. En fait, quand t'es déprimé, en gros, sur GeoGuessr, quand t'as vraiment envie de te tuer quand tu vois les paysages, t'es très souvent en Hongrie. Du coup, j'ai mis mon point directement en gris et il y avait un drapeau sur la mairie. Du coup, ça te confirmait. Ça t'a confirmé. En vrai, moi, j'ai vraiment trouvé le panneau Sloznok à la toute fin et je pensais que c'était une ville, toute petite ville. Et en fait, j'ai regardé sur la Hongrie et il était en énorme. Donc, j'étais en mode. C'est le théorème de la Hongrie d'Antoine Daniel. Hein. C'est Antoine Daniel qui dit ça. En fait, Antoine, quand il m'a coaché sur GeoGuessr, il m'a dit si t'es déprimé quand tu regardes des paysages, c'est-à-dire que t'es en Hongrie. Après, j'étais pas spécialement déprimé. Moi, okay. Moi, j'étais pas en top ambiance de mon côté, quand même. Quoi, tu moi, j'étais pas en top ambiance. C'est surtout qu'on est vraiment à côté d'une grosse ville et c'était une cambrousse comme jamais, quoi. Il n'y avait pas un panneau. C'est assez complexe, quand même. Par contre, Budapest, c'est incroyable comme ville. Je tenais à vous le dire. J'ai parlé. Non, c'est incroyable. Ah, Budapest, c'est trop cool, ouais. C'est vraiment incroyable comme ville. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Let's go. 3, 2, 1, go. Ouais, bon, bah, dommage. Bon, après, on met un peu de points, quoi. Je prends 400 points là-dessus. La faute à pas de chance. Et bah, allez, ça met bien ça. Allez, Batu Caves. Un peu de Batu Caves là, au calmousse. Dilarang. Ça, c'est bien beau, mais. Tum. Programme. Hop, c'est la Yang. Ça parle un peu anglais là. Hein. Batu Caves, c'est Cola, Menengen, série, c'est la Yang. Taekwondo, Small Class, un peu de Zafouane dans le coin. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre là? Karaté, Latian, Fitness Center, Pendaf Takaran, Majilis. On est sur du c'est la Yang hein, quand même. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on est majoritairement sur du c'est la Yang. Faut quand même savoir le reconnaître à des moments. Taekido, mais ça bombarde là. Là, ça met du coup de pied à 200 là. Tiajung, ça me nique les yeux par contre, putain. En vrai, une soirée GeoGuessr, ça me met genre lave. Bon, Batu Caves là, ça. Ah, mais Tamat, c'est la Yang, c'est juste là, c'est le Chex. Parce que Batu Caves là, il commence à me. Il me court sur le haricot là, le Batu Caves là. Moi, je veux bien faire des efforts. Je veux pas être le seul. Hein. Oh la vache, là, il y a de la ville. Là, mon pote, c'est pour moi. Et je pense que clairement, bah, ça, c'est clairement Philippines. C'est Philippines, ça. C'est Philippines, ce drapeau. Allez, c'est la Yang, s'il te plaît. Un petit c'est la Yang, ça mettrait bien. Parce que c'est peut-être un peu autre chose comme drapeau, ça. Hein. Ce n'est pas sûr à 100%. Santiago, genre, non, c'est la Yang. Pas exactement la même cam, là. Oh là là. Après, c'est vrai que c'est un...
Oh, c'est Malaisie comme drapeau. Je sais pas, putain. Je sais plus. Je sais plus. Beacon Hospital. Bah, super. MY, c'est Malaisie. Pas de souci. Selayang, un petit Selayang des familles là que tu me mets tranquille. J'ai plus de force, putain. C'est Malaisie, ouais, parce que Malaisia avec un Y, bien sûr. Et mot compte double. Un petit mot compte double. Ah, mais Malaisie, il y a plein d'îles en plus, non? Qu'est-ce qu'il y a en Malaisie Ça, j'en sais quoi, par exemple? Ça, c'est... AH. AH, c'est Malaisie aussi, ça. Putain, maintenant, je me repère au... Putain, ça, c'est Malaisie aussi. Ok. Je me repère aux routes pour savoir où je suis. Putain, j'ai... Non, honnêtement, là, c'est... Je te rends pas compte, hein. Tu fais quelques games de GeoGuessr, tu commences d'un coup à... Ah, moi, Pékin Express, c'est sans souci. Hein. Moi, je laisse juste la chance aux autres, là. Mais ça a l'air quand même d'être une fat ville, là. Mais Batu Cave, au pire. Ça, c'est comment, ça? C'est Dano. Oh là là, c'est la Yang, c'est pas du tout. Faut que je trouve un truc, là. 1:20. Oh, le permis de construire. Oh, inespéré. Oh, putain, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis à bout. Là, vraiment, on est en train de me prendre ma vie, là. C'est collard. C'est collard, c'est collard. Je suis prêt à chercher c'est collard. Vous me dites juste un truc à chercher, là, sur la map, et moi, j'y vais. Hein. Oh, putain. Oh, putain. N'en dites pas plus. C'est exactement ce qu'il me fallait. Kuala Lumpur. Alors ça, mon pote, ça c'est direct pour moi, ça. C'est où Kuala Lumpur? C'est où? Père. Choque pas, 40 secondes, on respire. 1, route 1, père. Voilà, route 1. Magnifique, cette route 1. Batang Kali, nous, c'est Batu Caves, nous. C'est du Batu Caves des familles. Route, là, c'est quoi? C'est 1, là. C'est pas 1, on n'est pas à ce point, là. Batang Kali, on a vu Batang Kali. Batang Kali, c'est de l'autre côté. Et c'est quoi? C'est B57? Oh là là, je suis en panique. Oh, je suis en panique. Batang Kali et Yum Yum. C'est... Oh putain, je suis du père. B57... Oh, je suis foutu. Oh, c'était beaucoup plus bas. Ah, oh, je fais 4936 quand même. Je suis à 20 km. Ah, oh, Batu Cave! Et c'est la Yang! Oh là là! Bon, après, je grattais. Vous en êtes où, le mec? Je viens de finir. Comme toi. Ouais, pareil, quasiment. 4930. Okay. 36, ouais. Ok, bah, bien joué. Ah, oh, Batu Cave, c'est la Yang, ça a mis pression. Moi, bon, en fait, j'ai trouvé le quartier de Selangor. Sauf qu'en fait, bah, Selangor, c'est partout en Malaisie que je me suis fait avoir. Ah putain. Moi, j'ai trouvé les routes. Enfin, j'ai trouvé le drapeau et après, j'ai trouvé les routes 8000 machin. Mais ouais, bah, être plus près. Tu mais vois, là, vous êtes pas lessivé là? Oh, non, mais gros, moi, j'ai juste envie de tout casser là. J'ai mal aux yeux de fou, gros. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Ah, mais ça me. Je t'assure que. Pff, c'est sportif, hein, putain, je suis guesseur. Hein. C'est bientôt fini. Ah non, mais ça, c'est très kiffant. Mais c'est juste que pour pas péter des câbles. Il reste 2 rounds. 2 rounds. Oh, 3, 2, 1, go. C'est rageant de te voir passer dessus sans que tu le vois. Ah ouais, c'est le jeu. Hein. Ah, je pense qu'on n'est plus à ces débats, les gars. Fragile. Oh, le poisson repenti, premier message quand même. Follower depuis 1 minute pour écrire fragile, pardon. T'étais sur un time-out, finalement, tu ne seras plus là. Non, quand même, faut pas non plus, tu vois, genre, bon, on s'annonce le poisson repenti pour au final nous faire ce genre de merde alors qu'on est à 4 heures. Que là, si tu veux, on tombe dans une ville où bah, la poste tunisienne, Dessalène. Hop, bureau de poste, Châti et Salène. Je t'aime bien, en fait, mon petit gars. T'es un bon petit gars. Alors. C'est peut-être pas non plus si grand que ça, quoi. C'est peut-être pas non plus 4 minutes. En plus, on a full temps. Chat et Salène. Hop, et on continue.
Non, non, oui. Non, GeoGuessr, forcément, ça se veut être agent, ça se veut être... Si tu soutiens et apprécies le 5000, tu dois supporter le 1500, quoi. C'est tout le souci, hein. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas parié sur le meilleur des chevals, là. Il y a Sifax et Tunis. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, pour que Sifax et Tunis et Ganouche... Ganouche, ça va être un peu plus petit, je pense. Attends, parce que là, du coup, c'est au nord. Et tu me dis concrètement que là, il faut tourner à l'ouest. C'est très bizarre. C'est très bizarre ce que tu me fais. C'est quoi ça ? Ganouche. Bon, et il y a quoi de l'autre côté ? Parce que j'ai l'impression qu'on va vers rien du coup. Là, je suis en... Pas de visu sur Ganouche, là. Ganouche... Peut-être avec un peu plus de recul. Gafsa. Bouhomran. Ah, mais c'est là qu'il y a en bas. Putain, je suis jamais allé en Tunisie. Je connais pas tant que ça. Ganouche. Et moi, je vais au sud, moi. Je vais à l'opposé de Ganouche. Et nous, j'ai dit qu'on c'était quoi notre ville, nous ? Chat et Salène. Comment et Sifax ? Et pour moi, du coup, ça, j'ai trop de mal à voir. Ça, c'est un peu mon souci. On va aller de l'autre côté. C'est un peu mon souci quand, en gros, t'as deux villes. Ah, ça a l'air d'être une ville un peu indus, mais une ville quand même, là. En gros, quand il y a une direction et qu'on te dit justement, t'as les deux grandes villes, je suis obligé de voir ça au sud du coup de ces deux villes et ça me dupère. Et j'avoue que là. Et là, je me dirige vers l'est. Vers l'ouest, en l'occurrence, pardon. Putain, ouais, j'avoue, je suis fatigué, là. Là, je suis fatigué, il me reste deux rounds à claquer, là. Car là, je choisis, ok. Ok, bon, on va pas spécialement faire un truc de garage, nous. Ouais, là, j'avoue que je suis désolé, je l'aurais pas, là. Là, je l'aurais pas du tout, celle-là. En plus, il n'y a pas trop d'indications sur... Oh là là, là. Ah non, enculé. Enculé! Mais quel... MFGT? G21. Ah mais G21, c'est juste... Là, on est juste en kiff, en fait. Là, on est juste en petit kiff. Hein. Ah ouais, bah là, je suis désolé. Ganouche, j'ai pas trouvé non plus, putain. J'ai pas trouvé grand chose. Sifax, ça me mettait l'information. Je mettrais bien là, quoi. Puisque les deux étaient direction nord, mais. Ah, pas si mal. Ah, Ganouche, c'était la. GG, ouais. Propre, putain, t'as fait combien, Xav? 4985, ouais, je cherchais le Maroc et puis à la fin j'ai vu restaurant cuisine internationale et tunisienne. Je me suis dit, comment ça, et tunisienne, personne préciserait tunisienne. Du coup, je suis allé sur Tunisie, puis après, là, dernier truc, je vois région maritime de Gabès. Du coup, j'ai cliqué au pif, à côté de Gabès, quoi. Ah, j'ai pas eu, moi. Bien joué. Ouais, merci, je suis pas peu fier. Pas peu ça repart pour le dernier. Vas-y, ouais. 3, 2, 1. Go. Bon, les petits last là, go faire un truc bien. 19231, c'est pas mal hein, pour l'instant. C'est pas insane, mais. Faut activer l'accélération matérielle. Ah, c'est ça ? Ah, parce que j'avoue que si depuis le début il y a un truc pour que ça soit moins chiant et. Parce que j'avoue qu'à chaque fois que je fais ces clics là, au bout d'un moment, honnêtement, ça me rend neuneux. Hein.
Chat égale plage. Ah, putain, je connaissais pas du tout. Bon, bah, dommage. C'est la vie. Witness Lintang reports offenders. On roule à gauche, là. On est quoi, là? C'est Afrique du Sud? Putain, j'ai cru qu'il y avait un chameau. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait un chameau. Bah, on peut très bien être Angleterre, hein, en fait. Hein. Afrique du Sud, ce serait plus aride un peu. C'est pas le bon. Western Fence, Gallagher, Campbellton. Ouais. Campbellton. Campbellton, ça semble quand même Afrique du Sud un peu, non? Campbellton. Ça m'étonnerait qu'il y ait un Campbellton. Ouais, ça me semble bizarre qu'il y ait. Moi, je verrais bien ça en Afrique Sud. Est-ce qu'il y a des routes genre 1? 1? Mais c'est pas la même écriture. Nouvelle-Zélande? Le 1 est bizarre, non? 1? Ah non, pas du tout. Il y a du 1 partout, mais là, c'est du 1. Ross, Watlands, Kempton. Australie, ça roule pas à gauche? Si? Je crois pas, non? Du 1 en vert, putain, mais... Et on est à Campbellton. Australa, là. Là, il y a du Australa, là. Non, je suis désolé, vraiment, je suis désolé, je dois vous tilt de ouf, mais je suis désolé, je peux rien donner plus, là. Tasmanian Street. Ah si, c'est Afsud. Parce que j'étais tombé là, genre... C'est bizarre quand même que ça soit. Bah, c'est pas Johannesburg, putain, je suis du père. Tasmanian Street. On est en Tasmanie? C'est où la Tasmanie? C'est Tanzanie? C'est pas ça? Je suis du père. Ah frère, là je suis. C'est Earth of Tasmania. Ok. Tasmanie. Très simple. Les gars, on va faire un ratissage. D'accord? On va ratisser la Tasmanie. Qui s'occupe. Mais putain, c'est où? J'arrive plus. Ça, c'est le Malawi. Zimbabwe. Ah ouais, je suis désolé, là. Campbellton. Mais c'est là, non? Putain, moi, j'ai toujours cru que c'était là. Bah, je suis désolé. Pas trop d'infos à vous partager là. Juste c'est un FF. C'est un FF là, je. C'est un FF. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Voilà. Je suis devenu fou. Aussi simplement que ça. Holy shit! Ça dégoûte, putain.
Bon, alors là, j'ai perdu là-dessus. Hein. J'ai fait 950. Je suis en Australie, mais... mais à l'autre bout de l'Australie. En fait, je trouvais pas la route 1. Donc, du coup, ah, tu trouvais pas, ouais. Déjà, j'étais même pas sûr que c'était l'Australie. Donc, mais apparemment, je crois qu'il y a les routes là, c'est Australie, mais en fait, je savais pas. Il y a un doc, je crois, où t'as toutes les routes et tu sais direct dans quel pays t'es, quoi. Yep. Mais du coup, bah, moi, je savais pas quel pays c'était. Donc moi, je savais pas situer la Tasmanie sur la map. Ah, mais c'était en Tasmanie, en fait, c'était pas en Australie. Du coup, j'ai mis ça en Tanzanie. Ah, merde. Du coup, c'est zéro. C'est 17 points. Moi, c'est 950. Yeah. En vrai, j'ai choke parce que moi, je croyais que c'était Australie. En fait, je voyais pas la route 1. En plus, route 1, je me suis dit, c'est facile à voir. Donc, j'ai regardé en Australie, j'ai pas vu de route 1. J'ai regardé en Nouvelle-Zélande, j'ai pas vu de route 1. Et j'avais oublié qu'il y avait la Tasmanie, gros. Moi, j'ai vu les pays. Enfin, j'ai vu les villes. Je me suis dit que c'était des grandes villes, mais que je reconnaissais pas l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Du coup, j'ai vu que c'était en Tasmanie. Et après, j'ai remonté la route et j'étais juste avant Campbelltown. C'est dommage parce que là, si j'avais fait Tasmanie, je rattrapais PA là-dessus, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Le diable de Tasmanie, c'est en Australie, mais je vous assure que genre, je connais pas quoi. Ah, le diable de Tasmanie, je connais, mais en fait, j'avais vraiment, je me suis. Tu savais où tu es, genre, j'avoue que je suis genre. Non, mais j'ai pas pensé à la Tasmanie du tout, mais pourtant, j'aurais dû m'en douter. Le 1 où j'étais, c'était pas le bon 1. Ça, c'était pas un vert, c'était un blanc. Et je me suis dit, des fois, c'est peut-être pas remis. Après, si j'étais allé sur la Tasmanie, j'aurais vu le 1, j'aurais cliqué au 1, j'aurais fait au moins 4000 points. Mais bon, tant pis, c'est la vie. Clairement. C'est un énorme choke ici. Moi, j'aurais pu faire presque 24000, mais ça, c'est trop bien. Aïe. Choke dans le peloton aussi. Bon, bah, tout simplement, le premier round France qui me fait perdre hein, ici. Ouais. J'avoue, le 12 005, il a pas mis bien là, frérot. Ouais, bah putain, après, et toi, tu nous as mis 14 000 points, quoi. C'est pas du tout la France. Il m'a mis bien le dernier point de Tasmanie. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est ouf, il y a peu de pays que je sais pas si tu es dans le monde et Tasmanie. Oh bah moi, il y en a pas mal que je sais pas. Enfin, si c'est pas un pays, parce que c'est un état. Non, mais dans le sens aussi, je dis ça alors qu'il y en a plein. Mais. Moi, je te jure que moi, déjà, je savais pas où était Blois, donc bon. Non, mais vraiment, au moins, c'est réglé, quoi. Les villes de France, vraiment, je suis éclaté. T'inquiète, PA, en fait, PA, ce genre d'endroit, tu te trompes une fois, après, tu te trompes plus. Ouais, c'est ça, après, tu sais où c'est, quoi. Mais j'avoue moi, je me suis trompé une fois dessus. Mais est-ce que là, il n'y a qu'en Tasmanie où il y a les routes comme ça en pointillés? Non, en fait, le truc qui te trigger Tasmanie, c'est les routes vertes. En fait, le truc vert, tu vois. Et fait que Hobart, c'est la capitale de la Tasmanie. Mais pourquoi, du coup, ça ne régit pas les mêmes trucs que l'Australie? Parce que c'est un état australien. Bah, c'est la ville principale, quoi. Du coup, Hobart... Oui, non, mais dans le sens, c'était les routes, même les 1 et compagnie, tu vois, c'est genre spécial à la Tasmanie, quoi. Ah oui, c'est pas pareil. Je crois que c'est vraiment pas pareil. Hein. Mais c'est... En fait, moi j'ai vu les gros... En fait, je suis allé sur le panneau où c'était marqué à 200 km. Tu sais, genre, c'était passé à 200 km. Genre, Hobart à 200 km. Si je voyais Hobart à 200 km, c'est-à-dire que la ville, elle est hyper visible, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai cherché en Australie, j'ai pas trouvé. Cherché en Nouvelle-Zélande, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, vas-y, ça. J'ai fait Nouvelle-Zélande, et honnêtement, mais. Nouvelle-Zélande, Australie. En fait, j'étais en mode, il roule à gauche, donc c'est forcément là. Et voilà. Apparemment, l'un qui dit dans le doc, les pointillés, ça veut dire le Danemark. C'est pour ça que je suis allé au Danemark tout à l'heure. Je m'en souvenais d'un truc comme ça. Mais en fait, non, Danemark. En fait, j'ai regardé les routes et j'ai vu que le Danemark, il n'y avait pas de 1 comme ça avec le petit bouclier. Sierra Leone. Ah, Sierra Leone, c'est toujours le truc que tu dis pour essayer de niquer les mecs. Ouais, parce que ça donne un peu, ça a une petite connotation à Asiat. Ouais, alors que c'est clairement en Afrique, hein. Il n'y a rien de... Mais écoutez les gars, victoire de Étoile, 129 000 points, 115 000 points pour moi, 113 000 pour Xari. GG les boys, Étoile beaucoup trop fort, quoi. J'ai joué. Moi, je préfère monde et Europe que France, moi, perso. Moi, France, je commence à aimer, mais vas-y, c'est trop frustrant des fois. T'es là, t'as une ville que t'as entendu toute ta vie, t'as entendu le problème de France, ville c'est que tu sais pas où elle est. Il faut quoi. Être ultra, ultra précis. Et ça, c'est chaud, je trouve. En fait, quand t'as 5 minutes, c'est-à-dire que tu dois passer presque la dernière minute à être à côté, tu vois. Ah, clairement. Sauf que moi, je suis ultra lent, donc la dernière minute, déjà, si j'ai le nom de la ville, je suis content, tu vois. C'est hyper précis. En fait, le truc aussi, c'est que en France, il faut vraiment que. T'es des réflexes, quoi. Alors que dans les autres pays, tu sais, tu peux un peu être en mode, bon, je peux être à 50 km. En France, t'as 50 km, t'as 2 points, quoi. C'est pour ça que je préfère mon pays, parce qu'au moins, quand t'as le pays, alors là, par exemple, pour la Tunisie, bon, j'ai chaté la ville à la fin, mais si tu cliques au-dessus de au milieu de la Tunisie, t'as 4000, tu vois. Parce que après, tu sais quand tu vois de l'arabe, généralement, t'es soit en Tunisie, soit t'as pas mal de chances d'être en Jordanie.
Après, ça ressemblait pas mal au Maroc, hein, vraiment. Hein, ça peut pas être le Maroc. En fait, le Maroc n'est pas street view, l'Algérie n'est pas street view. En fait, les seuls pays du Maghreb qui sont street view, c'est la Tunisie. Du coup, vois. Ça m'a... Ah oui, mais j'aurais pu trouver plus vite. Mais après, Ouais, t'as pas mal de trucs à connaître en vrai, si tu veux. Genre, En fait, quand tu vois un pays du Maghreb, t'es forcément en Tunisie. Donc, c'est ce réflexe-là. Et aussi, il faut que tu te rends compte qu'il y a quasiment que la côte de la Tunisie qui est street view. Donc, tu peux tomber à Sousse, tu peux tomber dans des endroits comme ça, mais tu tomberas pas au centre de la Tunisie. Ouais, non, mais ça, c'est grand, il faut savoir ça, sinon, tu te baiser, quoi. Ah. Bon, en fait, j'ai failli me démute pour te le dire, et je me suis dit, ça va spoil de ouf, et je sais pas, les gens auraient peut-être fait chier. Et après, en fait, j'ai vu qu'il y avait les drapeaux de la Tunisie, donc je me suis dit à 100%, il va l'avoir. J'ai absolument pas vu les drapeaux, je t'avoue. Vraiment, c'est le restaurant qui est marqué où c'est marqué Tunis international entre parenthèses et à côté tunisien, où je me dis, il ne marquerait jamais qu'il fait du restaurant tunisien si c'était pas en Tunisie, quoi. Ah, ok. C'est vraiment de la pure chatte de resto, quoi. Peut-être t'as des petits trucs à savoir comme ça, genre. Si tu tombes en Afrique et que tu regardes le toit de ton Google Car, peut-être c'est le Google Car qui se balade. En fait, si tu tombes en Afrique et que tu regardes le toit de ton Google Car, s'il y a du scotch noir, c'est-à-dire que t'es au Ghana. Non, mais d'accord. Non, mais frère, je suis pas en ranked, moi. Je suis pas en ranked. C'est de la ranked, hein. Tu vois, c'est trop marrant, il y a des petits trucs comme ça et c'est trop stylé. Ouais, bah j'aime bien me coucher, moi, là. Allez, goodbye. C'est chiant. Ouais, bah redis-moi pour vas-y, ça roule ma gueule. La soirée, mec. Je te dis ça. Bon, c'était bien sympa. Merci, ouais, merci les gars. C'était un peu long quand même, 6 rounds, j'avoue. J'avoue que c'est un peu long, ça te tabasse, je trouve. Un petit 4 rounds, je pense que c'est pas mal. Genre double France, un Europe, un monde, je pense que c'est pas mal, je pense. Mais bon. Yes. Et après, c'est entre champions, ça t'entraîne. Bah là, c'est la Ligue 2, là. Donc, ouais, quand t'es en Ligue 2. Ouais. Ah, maintenant, t'es à un autre niveau, ma gueule. Hein. Si elle fait un petit 20 000 comme PA au premier, là, j'étais pas si mal. Mais... Non, je suis encore en Ligue 2, PA, moi. Je suis pas encore en Ligue 1. Arrête. 24 821, 24 165. Regarde le dimanche. Hein. Franchement, regarde le dimanche une fois. Et regarde. T'étais premier, t'as la dernière fois. Ouais, mais parce qu'en fait. T'as craqué. J'avais été 6e au premier, tu vois. Mais en fait, il me manque vraiment de la précision. Tu sais, je fais peu de précision comme PA. Mais ça va venir, là je travaille. Moi en vrai, je suis bon qu'en précision, j'ai l'impression. Le reste, je suis à chier quoi, mais. Là ça va. Mais j'aime trop le jeu, en fait, je trouve ça trop agréable de jouer comme ça en fin de live. C'est trop cool. En fin de live, on a joué 3 heures. Après, ouais, non, là on a joué de ouf. Mais ouais. Tu vois, solo quoi. Non, mais c'est vrai qu'il faut trouver, je pense, un format un petit peu plus léger. 4 rounds, on devrait faire ouais, ça. Ouais, peut-être, genre. Parce que j'avoue que parfois, t'es genre le 6. En plus, moi je deviens fou et tout, donc ça me. Genre, je suis trop. On joue avec Link, mais bon, à chaque fois, il veut pas. Il voulait pas. Béa, tu rejoues encore? Ouais, je fais Paris en une minute. Parce que Chap il voulait jouer. Mais donc, je pense que moi je faisais juste en mode. Bon, moi je suis addict, je vais faire un V1 contre Chap. Vas-y, ça roule. je suis addict. Allez, bisous les potes. Ouais, vas-y, ciao la mif. Bisous. Ouais, c'est trop bien, merci pour l'invite. Bah, merci à vous les mecs. C'était très cool. Il squeeze? Ouais, je rigole. Oh, je suis archi chaud. Je suis archi chaud, frérot. Ça, je suis archi chaud. Putain, je suis du père, c'est où, rue des Plantes, là? On est où, là? Dans le 14? Ça, j'essaie de pas trop bouger pour voir... Ah, rue des Plantes. Rue de Châtillon, on est juste là. On est juste là, bien sûr. Et là, mon pote, là, c'est clairement ici même. Georges Brassens, porte de Vanves, c'est juste avant la porte de Vanves. C'est ce fabuleux... porte de Vanves, c'est là. Ouais, ça va toi aussi, que j'aille me coucher. Tu vas te coucher? Vraiment. Non, je suis tombé sur la question la plus facile du monde. J'ai mis littéralement 10 secondes, gros. Bah, viens, reste un peu. C'est là, là. Ouais, ça va vers mon sang. Putain, on est où là du coup? Ah, on est là. Talentueuse. Oh là là, mais je me régale, moi. C'est d'une minute 30 Paris, c'est juste du speedrun, là. Tu veux, Link, veut que tu le réinvites pour une prochaine fois? Ouais, mais je lui avais proposé parce que je l'avais vu jouer, un peu comme Xav. Et je suis ultra chaud pour jouer. Dommage pour la Tasmanie, mais tu rattrapais pas Étoile. Ouais, Étoile, il est chaud.
c'est peut-être bien de jouer avec Link, Xav, de se faire des petites sessions à un niveau un petit peu inférieur, parce que, en fait, Étoile, le souci, c'est que dans beaucoup de jeux, il est tellement fort et de base, et c'est tellement un tryharder, et il joue beaucoup, et il a tellement envie d'apprendre, tu vois, genre le doc, il l'a poncé, moi, j'ai du mal à me foutre sur le doc, et allez.